Et Dieu m'a fait un petit parler avec nous. Salut tous les amis. Je vais faire l'acte aujourd'hui là. Et mes amis, si nous joignons, si nous tendons, nous allons nous bon menton, nous allons parler avec les amis. Si nous pas tendons, moi, fais un connaître parce que nous un nouveau casse, nous ne connaissons pas fonctionnel. Si nous tendons, bon, mieux entendre pour nous dire que nous avons des moyens. Nous allons parler avec nous. Je salue tout le monde. Je salue Anna. Est-ce que nous tendons? Si nous tendons, bon, mieux entendre, s'il vous plaît. Je vais faire une vidéo ça aujourd'hui. Là. Et la raison qui fait que je vais faire une vidéo ça, tout d'abord, c'est pour me capable faciliter une meilleure compréhension de ce qui passe actuellement là en dedans pays d'Haïti, en dedans société par moi. Et premier principe m'a dit, demandez-nous tout d'abord si nous voulons nous capables de faire live là. Et je ne vais pas parler pour tout le monde. C'est-à-dire que et vidéo ça me va le faire là, c'est pour une vidéo cap facile pour tout le monde. M'pap dit que c'est comme si tout le monde va comprendre pas ça. M'va laisser faire le nécessaire pour moi si m'est capable de permettre à ce que tout le monde appréhende au moins. M'va laisser mettre le nom façon pour tout le monde capable de joindre, capable de combattre. Pour quelle raison dit ça? C'est parce que vidéo ça m'va faire là pour monde capable arriver cerner ces vidéos ça. En d'autres termes, faut gagner. Je pense que au moins il faut avoir un petit minimum de prérequis pour capable arriver à appréhender ça. Parce que je vais utiliser un ensemble de concepts là-dedans. Le concept ça, yo le plus souvent demandé à ce que au moins on maîtrise un minimum, pas en maîtrise dans le sens d'un diplôme, mais un minimum de maîtrise de notions ça que je vais faire usage dire là. Donc il doit avoir que m'utiliser trois éléments pour trois mots-clés. Trois mots-clés, trois notions-clés, qui c'est premièrement la matière, deuxièmement le sang, et troisièmement l'esprit. Maintenant, il faut faire très attention avec ça, le fait que moi, prends trois éléments ça. En fait, c'est trois éléments indispensables pour au monde arriver à appréhender et comprendre une série d'événements qui ont déroulé, surtout dans le monde et surtout en Haïti, actuellement dans la société haïtienne et bien entendu dans d'autres sociétés comme l'Amérique latine, côté que nous voyons des soulèvements et des mobilisations générales qu'a fait de part à travers le monde. Et femme dit nous tout, on va commencer voilà avec méthode on va l'utiliser, m'a salué mes amis petites et petit pays hein. Et merci et cher live là pour moi dans différents groupes à ce que un peu le monde capable de jeune opportunité pour la bizarre. M'a dit nous bien. Alors, on va commencer avec matière là pour moi. Il y a une raison pour commencer avec matière là, c'est parce que c'est premièrement, on va aborder trois éléments clés ça pour mettre étendre pour me nous une certaine base, surtout pour les qui l'école qui gon niveau pour capable d'avoir une idée, pour capable apprendre structure penser yo réflexion yo, les a produit une analyse qui solide ou bien une réflexion de solide ou capable utiliser trois éléments ça majeur pour capable avancer. Dans sa wap dit pour capable appréhender réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de réalité en soi, il y a deux dimensions dans la réalité. Il y a deux dimensions majeures dans la réalité. Première dimension dans la réalité, c'est dimension, ça relève dimension physique. C'est-à-dire dimension matérielle, la dimension tangible, la dimension qu'on est capable de toucher, la dimension qu'on peut appréhender à travers les cinq sens, qu'on est capable de toucher, qu'on peut appréhender, qu'on peut manger, qu'on est capable de ressentir. Ça, bien entendu, c'est la dimension matérielle, c'est la dimension physique, c'est la dimension corporelle, le corporatisme de la matière, de la réalité. Ça, c'est dimension matérielle. Là, on est capable à partir d'un ensemble de faits, de données disposées, ou capable là, la nature, pour offrir opportunité
pour capable cerner dimension matérielle là. Maintenant, une deuxième dimension en dedans, il y a une réalité. C'est-à-dire, on m'a présenté, on dit, une sorte d'approche holistique. Ma proposé une sorte d'approche holistique de la réalité. Une dimension, il y aurait les dimensions immatérielles. Une dimension intangible, une dimension invisible. Une dimension non palpable. Une dimension intelligible. Dimension, ça lui-même, c'est une dimension de la réalité. Que ou pas qu'appréhender avec les cinq sens, ou pas qu'appréhender ni avec Dieu, ou pas qu'appréhender ni avec Méon, ou pas qu'appréhender ni avec les Néon, ou pas qu'appréhender, parce que c'est une dimension de la réalité qui est tout à fait invisible, qui vraiment pas observable à l'œil nu, ni avec pas à la portée des cinq sens. Dans ces deux dimensions-là, ils ont constitué ensemble, l'homme et Dieu ensemble, ils ont constitué ce qu'on appelle la réalité. C'est-à-dire que, Léon a parlé, ou a montré dans le domaine d'étude, il faut regarder pour une qui dimension, dans deux dimensions de la réalité, là, que nous avons opéré. Mes amis, chers, là pour moi, parce que c'est extrêmement important pour nous comprendre. Maintenant, chaque dimension, ça, il y a dans la réalité, là, dans son ensemble. Yo kon soulever des problèmes par rapport avec l'apport que yo gagne en dedans. Ça me le dit voilà. C'est-à-dire que lorsque la dimension matérielle avec la dimension immatérielle a entré en rapport, en contact dans le langage biblique et théologique, yo parlait de l'esprit et la matière, dans le langage philosophique, yo parlait de monde sensible et monde intelligible, dans le langage pour comprendre réalité ça dans sa globalité, il y a un rapport que vous développez deux entités ça ou deux mondes ça. Maintenant, les autres en rapport ça, les autres en rapport entre eux-mêmes, relation développée, modalité de type de rapport que vous développez, pour déterminer qui réalité a dynamique qui existait en étant réalité en tant que telle. Bien, ça m'a dit, parce que ça m'a dit à un niveau qui est extrêmement haut, mais me permettre que un pile mon comprenne ça m'a dit là. Je vais mettre des exemples et des anecdotes pour me permettre de nous comprendre, appréhender ça m'a dit en gros. Tu me dis, nous bien, mes chers amis. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que pour yo tous les deux entrer dans la dynamique réalité en tant que telle, dans sa globalité, à travers ces deux éléments indispensables, le rapport qui existait entre les deux éléments ça rendait dans la réalité là, c'est pour permettre ça nous connaît aurait les histoire là dynamique historique, c'est les mouvements changements qui gagnent, parce que il faut que l'esprit et la matière, il faut que l'élément tangible et intangible yo entre dans un rapport contradictoire, et rapport contradictoire ça dynamique dialectique qui existait entre ces deux dimensions de la réalité, c'est ça pour permettre que bon changement gain dynamique sorte de et mouvement qui a opéré. Mais maintenant, il faut comprendre que ces deux dimensions de la réalité, des gens qui choisi par priorité avec yon là-dedans. Par exemple, il y en a qui doit choisir ces réalités, ces dimensions spirituelles, là, ces dimensions intangibles, là, ces dimensions immatérielles, là, ces dimensions et ça moun pa ka wè, tant que religion yo. C'est civilisation, culture et l'esprit. C'est dimension ça qui est plus important pour eux. Le plus souvent, là, à l'école, où est les philosophes, les hommes de lettres, les hommes de culture, les hommes, les théologiens, les philosophes, le plus souvent, ils font partie de domaine ça. Ils sont plus intéressés avec ce qui est intangible, ce qui est non palpable, ce qui est immatériel, ce qui est de l'ordre de l'esprit. Maintenant, le problème qui se pose, c'est-à-dire, pour arriver dans dimension ça, cette dimension de la réalité, il faut au moins que vous ayez une certaine capacité d'attraction. Ça me dit abstraction, c'est-à-dire, il faut une capacité d'abstraction, c'est-à-dire cette capacité à concevoir des idées, c'est-à-dire cette capacité à conceptualiser, c'est-à-dire à appréhender les choses de l'esprit, parce que c'est un travail
intellectuel. C'est un travail qui fait appel à l'esprit, qui fait appel aux intellects, qui fait appel au cognitif, à cognitif l'homme, non, cognition, de façon à ce qu'elle fasse appel à un système et cérébral pour appréhender les choses de l'esprit. Parce que ça nous est les et cerveau, c'est le cerveau, le système nerveux, c'est le seul élément qui permet de nous appréhender, capable de produire un raisonnement, capable de produire une réflexion, capable d'appréhender les choses abstraites, les choses, c'est-à-dire de l'esprit, et à partir de là, nous sommes capables de construire un ensemble de symboles, un ensemble de choses, idées, de façon à ce que pour nous capables d'échanger, communiquer. C'est-à-dire pas de communication possible en dehors de un ensemble de ça où il est symbole. Mais pour arriver à appréhender le symbole, pour arriver à appréhender le symbole, il faut que faire appel avec ce qu'on appelle l'esprit, parce que le symbole en soi, il évolue, il fait partie de ça qu'on appelle cette dimension de la réalité qui est l'esprit. Maintenant, on a l'autre réalité qu'on pile nègre à l'école, ils apprennent. Ces réalités, il y aurait les réalités matérielles, là, la nature. Les naturalistes, par exemple. La nature, c'est-à-dire, ce qui sont, ouais, sont capables d'observer. Maintenant, ce sont là, en effet, les hommes de science. Ce sont là les hommes de science, nexayo, eux-mêmes, ils ont plus baille priorité avec les choses visibles, le tangible, le matériel, les faits, les données, ce que nous avons à notre disposition. Par exemple, c'est là les hommes de science, eux-mêmes, ils ont pas étudié ça, ils ont gagné à disposition. Par exemple, si nous prenons un exemple qui est clair, l'autre, on est son géologue lié, c'est-à-dire son nègre qui prend du temps pour l'observer et pour aller étudier et les choses qui ont rapport avec la Terre. Ok? Il va étudier les croûtes terrestres pour étudier une série de phénomènes qui ont rapport avec le monde physique, qui ont rapport avec ce qu'on appelle le physus. Physus, là, c'est ça, la nature, c'est un mot grec. Et puis, d'autre part, ou gagner aussi des hommes de science qui peuvent étudier tout ça qui a rapport avec la médecine. Par exemple, on a qui étudie médecine, c'est un homme de science. Pour quelle raison? Parce que l'a étudié ce qui a rapport avec le corps physique. Le corps physique, c'est-à-dire, c'est la matière. Le corps physique dans sa composition, physiologie, anatomie, tout ça fait partie, bien entendu, et agencement qui gagne entre eux, système qui fait partie du corps humain. Là, mais la étudier médecine, c'est un, il fait partie de ce qu'on appelle les sciences scientifiques liées. Pour quelle raison? Parce que lui plus accentué sur ça qui a rapport avec la réalité physique. Mais on est quand on médecin, pas qu'à expliquer des phénomènes tels que problèmes somatiques, psychosomatiques, des problèmes psychosomatiques, c'est-à-dire que des problèmes qui ont une maladie, qui ont maladie, un problème de, qui ont un problème de qui ont rapport avec psychique, ou pas qu'à dire on est qui étudie médecine, ni qu'à guérir ça, non, la guérir problème, ni qu'à faire chirurgie pour le guérir problème qu'on gagne dans organe physique ou dans système nerveux, dans corps, non, mais ce qui a trait avec la conscience humaine, c'est-à-dire cette conscience. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes avec l'état d'amour, non, il n'est pas facile pour les étudiants qui sont MD, qui sont médecins, pour l'entrer dans le domaine ça. C'est ça fait, au cours du 20e siècle, on va loin, bien entendu, on va développer science, ça, on va aller psychologie, et qui va aller plus loin pour devenir psychanalyste, pour étudier phénomène que vous voulez psyché l'homme, c'est-à-dire mal la conscience de l'homme, qui sont l'autre dimension de la réalité que nous allons appréhender avec nous, nous allons faire nous comprendre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, lorsque ces deux éléments de la réalité, ces deux dimensions de la réalité, lorsque vous entrez en rapport, vous entrez en contact, l'esprit et la matière, dans la dynamique, dans le mouvement qui gagne, il y a deux tensions qui existent, il y a deux dynamiques. Il y a un mouvement de rétention, il y a un mouvement de rapprochement qu'a fait. C'est-à-dire que matière là à la fois attirée par l'esprit, l'esprit en lui-même aussi il y a à la fois attiré par la matière là. Les autres dans dynamique là, dynamique de force qui gagne en contradictoire là, il crée ce qu'on appelle des tensions. Tension ça dans le langage méthodologie marxiste, il y a utilisé dialectique. Dialectique, là, c'est ça qui permet que gon thèse, antithèse, et puis surtout de la dynamique, là, pour permettre d'y accoucher ce qu'on appelle une synthèse. Mais, ce que nous, on peut oublier, une thèse, avec une antithèse, c'est pas la négation de la thèse. Il y a un pile qui est mal éduqué parce qu'il pensait que
qu'une antithèse, c'est la négation de la thèse. Non, 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 non. Une antithèse n'est pas la négation de la thèse. Si on est à l'école, on forme, on dit que autant de yodou qu'une antithèse, un professeur dit une antithèse, c'est la négation de la thèse, ça, c'est un professeur qui mal formé. Une antithèse n'est pas la négation de la thèse. Au contraire, une antithèse, c'est un dépassement de la thèse. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une antithèse, il faut dans l'antithèse une conservation, ce qu'on appelle la conservation de la thèse. C'est-à-dire, je conserve la thèse. La thèse que je vais aller prendre le contre-pied, je la conserve. Cependant, je dépasse la thèse. C'est-à-dire que m'aller au-delà de thèse là, mais je conserve la thèse. À partir de là, l'aime conserver thèse là, je viens avec une autre thèse, et de là, thèse me vient, n'y en lit pas antithèse, thèse là, n'est pas négation thèse là, mais lit antithèse là. C'est-à-dire aller à l'encontre de la thèse pour accoucher ce qu'on appelle dans l'ensemble une synthèse. Un, mandarin, mais nous qui ça dans manu pour moun capable prendre. Une antithèse n'est pas la négation de la thèse. Non. Une antithèse, c'est un dépassement de la thèse à partir de la conservation de la thèse ou vient avec un dépassement de la thèse pour accoucher ce qu'on appelle yon antithèse et à partir de là, des deux ou capable faire ce qu'on appelle yon synthèse. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la méthode dialectique. Dans le rapport qui peut exister au sein de la réalité par rapport à la dimension spirituelle, dimension immatérielle et la dimension matérielle de la réalité. C'est-à-dire, d'autre part, m'a dit nous encore en résumé, une réalité dans sa globalité, elle est composée de deux dimensions majeures, deux éléments majeurs qui c'est l'élément immatériel là et l'élément matériel là, mais dans leur rapport, dans leur rapport dialectique, ils viennent entrer en mouvement, ils ont accouché ce qu'on appelle une réalité autre que réalité première là, a priori côté gagnant, parce qu'ils ont entré dans une dynamique, dans un rapport de force, en attirance des lois qui permettent d'accoucher ça au gagnant. Maintenant, pour aller plus loin, on entre plus profond dans sa mbaldia là. Lorsqu'il y a une dynamique ça, Jean-Marie Sotap dit nous là, dans deux dimensions ça, il y en a qui ont le soleil là par exemple. Si moi soleil là, je me soleil là. Tout levé matin, on a regardé, nous observer le soleil. Nous seulement où est soleil là? Tout le monde où est soleil là? Tout le monde recevoir rayon soleil là ou sentir rayon soleil là, c'est parce qu'il chauffe. Maintenant ça c'est un fait. C'est un constat, c'est une observation. C'est un fait, c'est un constat. Nous sentir effet soleil là, on pas gagner. Ça, c'est ce qu'on appelle la réalité physique. La réalité physique, on ne peut pas lier parce que c'est un fait. On vit, tout le monde ne peut pas mentir, mais on mentit sur lui. Mais, il y a un bagage qui pose. Le problème qui est posé, c'est que on doit produire une réflexion sur le soleil. Là. Ça, c'est un autre bagage. Faites attention, c'est deux bagages différents. Observez le soleil là, ouais, le soleil là, tout le monde ouais. Mais, subi rayon soleil là, tout le monde vive lui, mais maintenant produit une réflexion sur le soleil, c'est autre chose. Je vais vous donner un exemple, ça veut dire que vous entrer dans l'élément immatériel là. Par exemple, si je me lève un bon matin, je me dis que soleil là, en réflexion, le soleil se lève. Tout le monde d'accord pour dire soleil là levé, mais observation que je vais là avec. 13 mois avant, c'est pour me dire le soleil se lève là. Tout le monde accepte le pour vrai. Parce que, sous observation, les ovos, je regarde le soleil là. Yo, le soleil là, levé vrai. Mais dans la réalité, le soleil ne se lève pas. Pour quelle raison? Parce que raisonnement, non, à partir de l'observation, c'est-à-dire réflexion que je produis, à partir de l'observation, non, sont réflexions qui fausses. Parce que, dans la réalité, outil que je gagne en tant que scientifique pour m'appréhender le soleil là, pour me produire savoir ça avec connaissance là, pour me dire que c'est le soleil qui se lève là, là, je péché. Je péché parce que je carence en matière de données, en matière de outils. Même. Maintenant, ça va le passer. D'autres observateurs vont entrer en jeu avec des instruments beaucoup plus avancés. Ils vont venir rendre compte que ce n'est pas le soleil qui se lève. Pour quelle raison? Le soleil toujours été non astrologue astronome yo pral vinn wè que mais écoutez dans ce qui a trait au mouvement des astres les habitudes le mouvement des astres et les lois du ciel yo pral rendre compte que les autres astres
autour du soleil a bougé, mais le soleil, il reste statique. Le soleil ne bouge pas, le soleil n'a pas bougé, le soleil n'a pas viré. Au contraire, le soleil là, c'est lui qui est au milieu, il est au centre, dans le système solaire là. Et puis il y a d'autres astres, d'autres planètes qui ont tourné autour de lui-même. Maintenant, ça c'est une réalité qu'on a mis nous-mêmes dans le commun, en tant que commun des mortels, dans le sens commun, nous toujours dit le soleil se lève, or le soleil ne se lève pas. C'est lorsque nous arrivons dans nos dimensions, les nègres qui ont fait observation, qui ont avancé des théories, qui ont étudié, qui ont avancé pour produire des connaissances, ils ont pas vu nous rendre compte dans l'élément immatériel là que ce n'est pas le soleil qui a bougé, c'est la terre qui a bougé. Maintenant, là, nous devons pas étudier pour venir avoir ça au relais, un ensemble de connaissances, nous relais, mouvement de révolution, mouvement d'évolution, qui parle bah nous ça au relais, année, patati patata. Bon, ça encore, c'est ce qu'on appelle l'élément immatériel, c'est le champ épistémologique, c'est le champ du savoir, c'est le champ de connaissances, qui parle pour poser un problème épistémologique, c'est-à-dire comment connaissance construit, comment on arrive à construire connaissance. C'est un problème épistémologique qui posait. Les nègres ont été levés un bon matin, du coup, ça soleil là, se lève là, et puis tout le monde a répété que soleil a levé. Là, à partir d'un ensemble de connaissances, à partir de d'autres méthodes, d'autres théories, nous venons à Kinex et on a menti, soleil là, pas jamais levé, vrai, c'est la terre qui a bougé, c'est la terre qui a viré, et dynamique la terre là, parce que la virée, vient permettre que notre position, il y a soleil là, vient paraître, et notre position, l'autre monde, vrai, soleil là, vient paraître à partir de mouvements de la terre là. Maintenant, là encore, on vient voir que, à partir de même observation, au monde qui a produit une connaissance qui fausse, so, c'est-à-dire que, dans même soleil là, nous gagnons, hein, qui sont éléments physiques, dans réalité, c'est que soleil là, la vraie, tout le monde n'a pas dit, n'a pas qu'à mentir sur soleil là. Soleil là, élément physique dans réalité, à là, dans dimension, à là. Mais élément spirituel, là, élément cognitif, élément et immatériel, là, qui c'est connaissance, le soleil se lève là, sous soleil là, c'est le discours que vous faites, vous construisez sous soleil là, l'IFOS. C'est-à-dire qu'au cas où réalité en soi qui est vraie, mais la connaissance produite à partir de cette réalité, elle est fausse. C'est-à-dire que quand on a une réalité physique qui est tangible, que tout le monde voit, mais puisque tout le monde voit, mais connaissance qu'il a véhiculée, il a produit sous soleil là, connaissance qu'il a produit sous lien, en soi, il y a un problème épistémologique qui est posé à la base, parce que la connaissance en soi, elle est fausse. C'est-à-dire que y a un ensemble de données qui peuvent prouver que il y a un faussement qui fait. C'est ce qui va expliquer que dans la dynamique qui va venir dans l'échange qui va venir entre les deux, ou par la connaissance en lui-même, le sujet avec changer, ce la évoluer connaissance scientifique, mais qui est complètement contraire avec l'esprit. Hein. Ce qui est tout à fait différent, mais il fait partie de champ épistémologique et champ cognitif. Vous comprenez? Du moment que dans la recherche qu'a fait, dans le nouveau paradigme qui va faire, nous allons dire non, ce n'est pas le soleil qui tourne, mais c'est la terre qui a tourné. Ça, c'est un exemple pour me comprendre. Mais, ça, vous parlez de jeunes depuis devant, on a commencé à étudier avant, vous parlez à l'époque des scolaires, à l'époque des scolaires, vous parlez aussi même bagage, ça a été composé, même problème, ça a été les scolastiques, c'est même problème lorsque l'église catholique a été contrôle, lorsque l'église, le christianisme a été contrôle de la connaissance, c'est une seule habilité à produire la connaissance, à produire de la réflexion, à penser pour la société, à penser pour l'homme, et bien là, ça, l'église a été ce qu'on appelle le monopole du savoir, le monopole de la connaissance, le monopole de tout ça qui existait comme savoir, comme champ épistémologique, c'est l'église qu'on a défini qui ça qui connaissance et qui ça qui transmissible, acceptable dans la société en tant que connaissance, parce que connaissance a été servi l'intérêt de l'église. Parce que nous, libéralisation de la pensée, libéralisation de la connaissance, le champ épistémologique n'est pas un bagage qui était ouvert à tout le monde, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. C'est-à-dire le ciel, c'est-à-dire l'esprit, le champ de l'esprit n'est pas open avec tout le monde. Maintenant, nous prenons un pile bagage qui prend le problème avec la révolution, je ne veux dire, pour nous venir à gagner ce qu'on appelle la révolution des lumières, la renaissance côté connaissance, pour l'obliger, il y a des gens qui parlent au produit propre réflexion par eux, il n'y a pas besoin de passer à travers l'église catholique pour produire réflexion, pour produire connaissance par eux, et ça va permettre à ce que la science, en tant que telle, va émerger, va venir
poser tête en problème, en jeu société, en jeu sociétal, en dedans pays, en dedans le monde, côté que la science pourrait émerger en tant qu'il d'autres sphères de connaissances, contrairement avec l'Église catholique qui était celle même échantée dans la question de nos domaines de connaissances. Maintenant, nous allons oublier, pour malvenir, pour me toucher avec nous, nous-mêmes, je ne veux dire qu'à partir de la dimension, ça avait même capacité et appréhender la réalité. Ça. Je ne sais pas si nous réalité avec deux éléments, dimensions là-dedans. Mais deux dimensions, ça on les rentre en relation, dans un rapport développé ensemble. Ils rentrent dans un rapport dialectique, côté que ils n'ont pas accouché l'autre, la bataille entre eux jusqu'à ce qu'ils accouchent, ça on les synthèse ou pas dans un rapport, ça, pour nous comprendre bien. Maintenant, ça pour nous comprendre. C'est le rapport ça qui va permettre de nous développer ça ou la philosophie de l'histoire. Rapport là. C'est-à-dire, c'est à partir de ce rapport entre ces deux dimensions de la réalité que l'histoire va naître. Ça ou l'histoire là. C'est-à-dire que ce soit la dimension historique, quelle que soit ça, l'IA, événement qui pourra accoucher, il fait partie de ce qu'on appelle la dynamique. Pas une histoire sans changement, pas une histoire sans évolution, pas une histoire sans ça ou les rapports de force et échange. Depuis deux dimensions, ça ou entrer en échange, dans rapport, automatiquement, dynamiquement, à bon déplacement, à bon changement qui fait, et puisque par bon changement, il peut accoucher des événements. Et événement, ça y est, c'est ça qui parle de l'histoire là en soi. Maintenant, événement dans sa globalité, l'historien ne peut pas l'appréhender. C'est-à-dire, l'événement produit dans le rapport qui existe entre les deux dimensions de la réalité, l'historien en tant que tel ne peut pas le cerner événement dans sa globalité. Ça veut dire. C'est-à-dire que pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle une forme de historicisme aveugle, c'est-à-dire qu'on est capable d'expliquer tout événement, toute situation, tout phénomène à partir d'une approche historique, c'est ça seulement qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on approche seulement historicisme de la réalité, pour ne pas tomber dans historicisme aveugle, il faut que nous comprenions que les événements qui produisent Dans le rapport qui existait entre les deux forces majeures de la réalité, qui c'est dimension matérielle et immatérielle là, élément ça y est, événement ça y est, l'historien capable de produire un discours historique. Maintenant, il ne faut pas confondre le discours historique avec le fait historique. Le fait historique, c'est l'élément produit par la réalité, dans sa rapport, dans sa dynamique. Ça, c'est l'élément, c'est l'événement. Maintenant, le discours historique, il est toujours une dimension idéologique là-dedans. Ça me dit pas là. Le discours historique, c'est le discours scientifique produit que Nego construit autour du fait historique. Il faut distinguer le fait historique et le discours historique. Le discours historique, est construit à partir de l'observation du fait historique. Ces faits historiques là qui sont événements qui produisent, maintenant l'historien, il est parti, bien entendu, à la recherche des éléments qui constituaient le phénomène historique, et à partir de là, il construit ce qu'on appelle un discours historique. Maintenant, le discours historique, en tant que tel, il n'est pas une vérité historique. Maintenant, mes problèmes là, je vais faire une différence pour nous. Le discours historique n'est pas en soi une vérité historique. Le discours capable de revertir ce qu'on appelle de un élément historique, c'est-à-dire lorsque l'historien rapporte des faits historiques là à partir d'un certain degré d'acuité, ça un rapprochement de réalité qui vraiment close. Ou capable de dire, bon, là, au minimum, c'est ce qu'on appelle la vérité relative par rapport avec l'observation que monsieur fait, que l'historien fait. Mais cependant, même fait historique, ça, il y a l'autre historien capable d'utiliser l'autre méthode pour appréhender même fait et produire l'autre discours historique sous même fait que l'observé. Et on va voir que deux discours historiques, ça, il y a deux historiens, ça produit sous même fait. Il y a un degré de similarité, mais en même temps, tout est divergent sur différents éléments. Pour quelle raison? Parce que c'est ce qu'on appelle, au niveau discursif, c'est ce qu'on appelle la relativité. Une relativité par rapport avec Jean
connaissance historique là produit, j'ai connaissance historique là construit. Si on pas dans même école, si ne sont pas de la même école, c'est normal que des méthodes que on va utiliser même les autres d'accord sous dit dans domaine là, mais au moins ou pas loin que même élément, même fait à produit, même fait historique là devant eux. Et puis chaque produit des discours qui complètement contradictoire dans des éléments contradictoires, parce que chaque observation, élément que vous observez, vous chaque observé même élément, mais sous des angles différents. Il y a un historien qui doit avoir 6, il y a un historien qui doit avoir 9. Mais ça ne veut pas dire pour autant ces mêmes éléments, ça va dépendre de quoi, qui positionnement que vous gagnez. Mais même problème que j'ai, le plus souvent, toujours à reprocher les historiens, c'est cette démarche qui consiste, cette tentation qui consiste à, pour ne rapidement tomber dans une forme de historicisme, qui c'est une sorte de culte de l'histoire comme l'élément indispensable pour appréhender la réalité de sa globalité. Maintenant, pas de science qui a appréhendé la réalité dans sa globalité, parce que la réalité en tant que telle dans sa globalité, c'est un bagage qui est extrêmement complexe, et la complexité de la réalité en tant que telle, même les sciences en tant que telles, t'as essayé, quel que soit le domaine, t'as essayé, ouais, si t'as mis tête à travers des méthodes de sciences et transversales, de multidisciplinarité, méthodes utilisées pour mettre des ponts entre eux, la difficile pour appréhender dans la réalité. Dans sa globalité, parce qu'il y a toujours un élément qui échappe toujours à l'observateur, il y a toujours un élément qui échappe toujours aux scientifiques, il y a un élément qui échappe toujours avec M. Sao, les scientifiques, les chercheurs, et c'est ça qui va l'expliquer, bien entendu, c'est ça qui va permettre à ce que d'autres chercheurs viennent apporter d'autres éléments pour permettre à ce que la science, la connaissance capable d'avancer et d'évoluer. Maintenant, le problème qui se pose. Les noirs avancés, nous parlons entrer dans le deuxième élément, il y a un élément fondamental qui c'est sang. L'MDD dit que m'a parlé de matière, non carte en Haïti. Ressources matérielles nous gagnons, territoire que nous possédons, 27 000 km² que nous gagnons, nous parlons suffisamment de sciences qui développent pour appréhender ressources naturelles que nous gagnons. C'est-à-dire que le premier élément de la réalité à qui c'est la matière là, en Haïti, nous ne sommes pas équipés techniquement et scientifiquement pour maîtriser le territoire noir et pour nous capables d'exploiter les ressources matérielles. Et ça vient par nos problèmes. Pour quelle raison? Puisque l'esprit haïtien, ouais, rapport là encore en réalité, hein? 12 millions de personnes qui ont mouru grand goût pendant ce temps, nous avons des ressources naturelles qui sont capables de permettre que nous nourrissions le peuple. Le problème qui est posé, ce n'est pas un problème de ressources matérielles qui vient, ce n'est pas un problème de ressources naturelles qui vient. C'est-à-dire le problème de la matière n'est pas problème, n'est pas problématique. Ce n'est pas un problème de matière qui vient, mais c'est un problème de connaissance sur la matière. C'est-à-dire c'est un problème de réflexion sur la matière. C'est un problème de réflexion, comment pour nous exploiter les ressources naturelles nous gagnons. C'est-à-dire c'est les capacités majeures de la pensée haïtienne à pouvoir produire un ensemble de savoirs, de connaissances pour être capable d'exploiter les ressources naturelles nous gagnons pour nous capable de répondre avec les besoins qui correspondent avec les besoins de ressources naturelles. Par exemple, nos économistes, nous sommes capables de considérer comme des scientifiques. Nos économistes, nos géologues, nous n'avons pas des structures qui en place pour permettre à ce que M. Nouyo produit des recherches, des connaissances, et puis pour après avec un ensemble de outils techniques pour être capable de saisir de une compréhension parfaite de ressources nous gagnons à disposition, non seulement en termes de quantitative, mais aussi en termes de qualité et pour favoriser l'exploitation de nos ressources premières. Mais puisque nous avons un déficit en matière spirituelle, l'esprit nous pas aussi avancé pour nous comprendre, pour nous saisir la réalité. Donc, qu'est-ce que ça fait nous obliger à importer connaissances. Et Gokose m'a dit là, nous obliger à la caille blanc importer connaissances. Mais connaissance nous importe en matière scientifique, c'est quand même bon pour nous. Mais le problème qui se pose, c'est que nous pas arriver dans la réalité pour nous profiter de ressources. C'est-à-dire, les blancs viennent libre connaissance, c'est vrai.
Mais connaissance liba ou a, li pa bon suffisamment de équipement, de technique pour arriver pour connaissance là, pour rendre connaissance là utile, pour rendre connaissance là, c'est-à-dire et pour expérimenter connaissance là dans la réalité pour produire, parce que du moment que connaissance ça ou t'a transformé en équivalent matériel li, qui s'est exploité ressources pays a développement agricole, développement intro bagage ça, ça va passer là ou va venir entrer dans compétition avec blanc. Des fois qu'on y a ou vinn jeune dal agronome ou vinn de nom dal nèg qui dit aussi étudier sciences des économistes et puis nèg là au lieu que li réfléchit li produit li gen ensemble de structures qui permettent à produire des réflexions solides sur réalité pays sur conditions sur matière qui a dedans pays ou nèg ça le plus souvent c'est nèg qui étudie à l'étranger c'est nèg qui étudie dans l'université et connaissance li vinn gen li pa gen des outils innov li pa gen des matériels innov des techniques innov pour le capable mettre le en application pour exploiter ressources pays nous. C'est-à-dire que nous vivons une situation de dépendance, de colonisation de l'esprit qui vient faire, qui vient rendre nous ineffectifs, nous vient rendre nous paresseux, nous just gon d'alcool, nous just gon d'al économiste, nous just gon d'al scientifique qui pas utile pays à merde. Pour quelle raison? Parce que y a pas de technique, y a pas de moyens, y a pas des outils, y a pas grand rien mais yo, ce sont des y a just gon papier, y a un discours, y a un parlant pile mais y a pas de moyens techniques non mais. Pas oublier, pas de changement. Matière là. Pour matière là changer, pour le produit, pour l'efficace, ou besoin ça aurait les techniques, innovation, technique. Ou pas besoin science seulement, ou besoin technique. Technique là, c'est un élément dans la connaissance, dans la science là, qui permet, qui rend applicable connaissance ou besoin de la réalité. C'est-à-dire que si vous avez connaissance, ou bien connaissance, ou pas de technique, ou pas de méthode, ou pas de outils, ou pas de technologie, pour exploiter matière, parce que vous n'avez pas à exploiter matière avec zone, ou besoin technique, ou besoin technologie, ou pas à gratter terre pour le bordir, ou besoin technologie, ou besoin outils, ou besoin matériel. C'est-à-dire que faut utiliser même la matière là pour battre la matière là. T'aimerais dire ça, me dire. Faut utiliser même matière là pour battre la matière là, pour exploiter matière là. Faut utiliser même matière là pour exploiter matière là. L'esprit a pour compte n'est pas quand même exploiter matière là. L'esprit a pour compte n'est pas qu'à faire matière là rentable pour mettre toute connaissance qui gagne normal. Dès pour pas gagner technologie non mais matière prêtée inexploitable pour pas qu'à exploiter. Parce que premier bagage ou besoin pour agir sur matière là ou besoin la matière encore qui sont modèle de technique pour agir sur la matière. Ou pas qu'à agir sur matière là sans technique, sans matière. C'est avec la matière pour agir sur la matière. L'esprit en prend utiliser pour faire usage de la matière, il pourrait créer des outils technologiques pour agir sur matière là, pour matière là exploitable. Par exemple, en Haïti, pour exploiter agricole, pour faire agricole, pour faire produits agricoles, pour faire terre à bail, ou besoin manchette, ou besoin couline, ou besoin ceci, cela, ou besoin où. Et ça, ce sont des technologies rudimentaires. Dans le monde que nous là, ce sont des technologies rudimentaires. C'est-à-dire, en termes de rentabilité et efficacité, ils n'ont pas suffisamment efficient et efficace pour produire. J'ai regardé qu'à produire. C'est-à-dire, nous toujours dans l'état, dans mauvais état là. C'est-à-dire, qu'on déficit de réflexion, qu'on déficit de connaissances. Le problème qui vient, c'est que nous avons des économistes, nous avons des agronomes, mais nous n'avons pas des techniciens, des techniciens qui pour réfléchir sur qui outils qui pourraient être plus bons pour nous exploiter terre. C'est ça que fait. Je ne dis pas dans nos manchettes toujours. Je ne dis pas dans nos piquois toujours. Je ne dis pas dans nos roues toujours. Qui ça va passer? Blanc lui-même, il y a une grosse machine. Ou pas la machine ça ou c'est pas l'esprit ou pas machine invisible ou machine ça ou c'est avec la matière ou fait ou. Yo fait ou avec fer, yo fait ou avec acier, yo fait ou avec caoutchouc et puis yo utilise yo fait technique avec yo et puis yo travaille terre, yo travaille terre plus rapide, yo gagne en termes de temps, yo gagne sous temps, yo gagne sous temps, yo gagne sur un paquet de bagages et yo plus efficace. Quand y a l'homme et ton nèg, l'homme et ton roux, 10 nèg qui travaille avec roux, non chanté, non terre, non chanté, non chanté. Non champ avec ou prend un nèg qui gont on sait que nèg la qui gont machine nan men la fait travail 20 nèg 30 nèg problème qui gagne c'est que nous pas de technique nan men nous gagne connaissance nous gont dal nèg qui diplômé agronome nous gont dal nèg qui diplômé économiste pendant ce temps
Yo pa ka rentre, yo pa ka fè tè a rentable, yo pa ka fè tè a produit, yo pa ka fè la donne parce que gon carens en matière de technique, technologie. Produit connaissance non limité parce que nous absorbons trop de connaissances à l'étranger, mais nous n'avons pas suffisamment de techniciens. C'est-à-dire connaissance non, nous gagnons, c'est vrai, mais son connaissance purement abstraite, connaissance ça pas servi nous en merde. Et seulement chita à la télévision, aller non radio, radoter, faire un paquet de spéculation, répéter un paquet de vieilles théories bullshit qu'on apprend à l'étranger, et puis t'es arrêté là, yo pas gagne qui compte comment pour aucun bon picroi, pas gagne qui compte comment pour aucun bé en matériel, yo pas même compte comment pour c'est un contracteur, yo pas compte comment pour rabouer en terre, c'est-à-dire que nèg la des connaissances là même pas qu'à mettre dans application, nous bloquer là. Nous bloquer parce que nous n'avons pas les techniques. Et pas de matière, pas de changement qu'a fait dans la matière vraie pour le rentable sous pas de technique. Ça, c'est le problème de la matière en Haïti. Nous avons des ressources. Hein? Notre sous-sol est regorgé de ressources naturelles, mais nous n'avons pas les moyens techniques, les technologies nécessaires pour nous capables d'exploiter, même les que nous avons des diplômés en agronomie, des diplômés en économie. Tout n'est que ça, c'est peut-être pété, il n'y a pas été payé en merde! Yo juste gen connaissance pour connaissance, vinn chita dè au bureau, signer papier, faire rapport sur rapport, écrire document sur document, c'est ça seulement rapport, c'est ça relé. Ta fè relé au scientifique, c'est-à-dire yon science sans technique son dal tête pété yo pa itil pays en merde. Deuxième élément qui pose assez nan domaine nan nan réalité assez élément sang. M'a touché avec nous le sang. Et là qui va dire mais question sang même. Qui ça vient chercher là dans la réalité? Je vais vous dire sans c'est le plus gros problème. Et c'est un gros problème lié à la question sans. Même les grandes dimensions mystiques là dans tout. Les grandes dimensions dans la réalité pour nous comprendre le problème pays sans jouer un rôle important. Sans, ou je n'ai dans plusieurs dimensions. Je vais vous montrer la réalité sans. Sans, il permet à ce que il détermine dans qui catégorie ou appartenir en termes de groupe sanguin. Sans déterminer aussi, lui permet à ce que, c'est là dans une jeune cellule, là, c'est la cellule là, et DNA, lui permet de déterminer qui coule pour au paquet de bagaille, parce que sang extrêmement riche. Problème race là tout, lui pose la même question sans. Problème famille là, lui pose toujours la même question sans. Et problème nation en tout, ethnique là, il pose toujours la même question sans. Nous parlons d'un pile problème qui pose à travers le monde. Les nations construites sur question sans, nous sommes nazis, nous sommes juifs, tout. Il y a une série de questions posées par rapport avec sang parce que vous définissez la nation. Il y a un critère que les facteurs utilisés pour définir la nation à l'époque de l'Allemagne, c'est la question de la race, la question du sang. Maintenant, en Haïti, il pose problème tout. Mais nous passons mes souliers dans la réalité, nous pensons que nous avons produit des connaissances sans, et puis nous quitter la réalité sans en dehors de toute réflexion scientifique qui était posée. Nous mentons, nous sommes tous des menteurs. Si nous pensons que nous avons produit une réflexion solide sur le système Haïti avec tout problème nous gagnons, nous quittons question sans gain en dehors de réalité pays, en dehors de réalité, nous n'en mentons, nous n'en bluffons, nous avons toujours des problèmes. Pour quelle raison? Yon le problème qui gagne qui fait journée jodi a nous là nous gagne ça nous gagne hein? C'est parce que problème sans li fondamental depuis les pays ça a fondé problème sans imposé parce que nos problème sans ou j'ai un problème race ou j'ai un problème famille ou j'ai un problème ethnique nos problème sans ou j'ai un problème race ou j'ai un problème ethnique ou j'ai un problème famille en dedans question sans. En Haïti, ou gen trois groupes sanguins qui bat, ou gen trois catégories de moun qui sorti dans question de sang qui bat en Haïti. C'est ça que fait nèg yo pral vini avec la nation comme élément unitaire qui pour permettre que catégorie sa yo, race sa yo, ethnique sa yo retrouve yon en bas seul embrela qui c'est la nation comme élément abstrait, comme élément abstrait qui pour permettre nous unifier nous ensemble. Nous vivons ensemble, le vouloir vivre ensemble, même les nous vivons ensemble, mais pas oublier une différenciation majeure qui existait dans la réalité que nous ne sommes pas capables de nier. Par exemple, nous avons un petit monsieur Mulak avec un petit monsieur Syrien, ils reproduisent entre eux. Son réflexe ethnique lié,
C'est-à-dire que, pour qui raison vous reproduit entre vous, vous choisissez une femme qui semble avec vous. Dans le groupe, vous reproduit entre vous. C'est-à-dire que vous avez un instinct naturel de préservation de la race. Vous avez un instinct naturel de préservation du sang. Vous n'avez pas couru à le mélanger comme ça. Non! Parce que vous réflexe la caillou. Vous avez un réflexe naturel pour préserver l'ethnique, pour préserver le sang, pour préserver la race, pour préserver l'origine sanguine. Maintenant, le problème qui vient de poser, les gens font des analyses, ils produit des réflexions, nous choisissons pour nous retirer ça dans la réalité pays, pour nous choisir retirer au nom de la nation, nous retirer ça dans l'équation pour nous comprendre le système. Nous fous. Je vais expliquer nous qui conséquence sans guérir sur la matière dans le rapport. Dans 90% population, dans 100% population haïtienne, dans 12 millions de population, ou bien peut-être 10% de monde la donne. 10% de monde la donne qui mulat avec Syrien. 10%, 90%, 90% reste la noire. 10% c'est mulat à Syrien. Regardez pour économiquement comment réaction, interaction fait avec matière, ressources naturelles. Ou pas 10% Syrien avec Milat là, 10% Syrien avec Milat là, sous 90% nègre noir, c'est 10% ça qui contrôle 95% richesse en dedans pays. Expliquez phénomène ça. Pour qui raison pas expliquer phénomène ça? Pas expliquer nous raison. Ça veut dire pas qu'à dire ou chambader un système. Pour pas prendre élément sang, élément ethnique, élément racial là en considération, analyser ou à forcer. Comment expliquer nos sociétés pour Haïti? Nous tous disons que c'est haïtien. Concept haïtien du sorti de nationalité, la nation haïtienne, qui sont concepts abstraits. Mais dans la réalité, descend dans la réalité, nous parlons que. Dans 10% de monde rouge qui gagne pas rouge dans le pays d'Haïti, dans la réalité, dans la même réalité, dans la ville, ils n'ont pas vu la même réalité avec 90%. 10% de monde rouge qui gagne dans le pays d'Haïti, ils n'ont pas vu la même réalité avec 90%. Pendant ce temps, ils ont tous ces Haïtiens. Faites attention. Où est son concept abstrait lié? Ils ont tous ces Haïtiens. Oh oui, nous tous ces Haïtiens. Oui, nous tous ces Haïtiens. Mais nous tous pas vivre même gens. Il y a un problème qui pose. Bon problème qui pose, nèg la qui rouge dans l'idou li c'est haïtien. Si mi la ka dou c'est haïtien, il y a le passeport haïtien, il y a c'est haïtien. Ou même qui nous a tête grenne qui fait partie de 90% population, ou tout c'est haïtien tout. Ou a le passeport haïtien. C'est-à-dire, là nous avons passeport, nous tous avons même passeport. Mais nous n'avons pas même condition de vie. Bon raison, nous n'avons pas même condition de vie. Et les gens gardent réalité à vrai. Condition de vie nèg qui. Nèg noyau, c'est pas même condition de vie. 90% moun qui n'a condition de vie et pas même condition de vie avec nèg rouge. C'est-à-dire gon gros problème profond qui posait avec question race là, question ethnique là dans société haïtienne. Ou pas qu'a dit que on va changer société, on va changer pays là sous pour pas poser problème ça. Son problème systémique li lié. Son problème systémique. Il faut adresser ce problème ça, répartition ethnique là, richesse paysan doit répartir, c'est ce qu'on appelle une justice économique. Faut que journée aujourd'hui, comment faut poser problématique ça? Comment faire dans un pays pour gagner 10% mondialement qui gagne couleur rouge, c'est 10% ça qui contrôle 90% richesse dans le pays au détriment de 90% monde qui rouge, monde qui noir. Combien milliards nous dans l'équipe pauvre? Combien de milliards nous tendez qui les tremblements de terre a passé? Combien de milliards nous tendez qui était en battante? Combien de milliards avec si au Libanais nous tendez qui était en battante? Combien de milliards nous tendez qui qu'on a l'encantine? Moi même, faut poser des problèmes non clairs. Oui, parce que des gens qui sous bluff nous n'ont menti, n'a vu nous menti, nous sous bluff nous pas poser problème yo réalité. Et ceci est tellement vrai que nous avons pas qu'être intellectuels qui complices dans ça. Boulos paraît, l'abdou comme ça, oui, il c'est haïtien. Oui, c'est vous, c'est haïtien, on passe pour haïtien, Boulos. Ou c'est haïtien, oui, parce que vous fier des nations haïtiennes, non. Même les ou pas contribuer pour venir là-dedans, vous fier des limbages, aucun problème avant, ou c'est haïtien. Ou bien passeport, il fier pour bondi, passeport haïtien, non.
Mais on garde la réalité, pour voir la réalité. Il faut d'accord tout. Tout boulot sur les zones, mais il faut d'accord tout pour faire partie d'une catégorie sociale avec une catégorie ethnique qui privilégie dans la société haïtienne. Non? Et c'est au détriment de 90% haïtiens qu'on privilégie. C'est-à-dire que même les passeports haïtiens, même j'avais, c'est seulement sous plan ça que nous-mêmes avons égal. On est dans le même pays dans la ville. Et là, nous, l'ordre, c'est haïtien. Les boulots, bon, tu passes pour haïtien, non? Tout le monde content, tout le monde dit, oui, c'est haïtien, même j'avais lié, les gens doivent même j'avais, c'est vrai. Mais on regarde la réalité, je la vis avec catégorie, il fait partie là-dedans, non? C'est pas même bagarre lié pour moi, même si nous avons été green. C'est-à-dire que la société haïtienne, non? Lui, plus favoriser monsieur que favoriser moi-même. Si nous avons petit pays en dessaline de bataille pour lui, il plus société à pencher, société à plus en faveur, monsieur. Et c'est ça qui est le problème dans le jour d'aujourd'hui. Hein? Un pile monde qui fait partie de 90% ça, pas qu'il y ait accès en dedans au NAP. Pendant ce temps, c'est seul green nègre, puisque le rouge, il y a un petit coulet, il y a accès à 30%, il y a 30% contrôle 30% dedans au NAP, qui sont injustices économiques. C'est ce qu'on appelle injustice économique. Sur l'injustice économique, c'est-à-dire nègre là, système non, il profite des catégories ça. Il profite yo. Maintenant, on va quand même changer le système pour ne pas soulever le problème justice économique là. Parce que justice économique là doit faire partie intégrée de réalité socio-économique et politique là. Or, justice économique là n'est pas seulement un problème économique et social, mais un problème ethnique et racial tout. C'est l'amour avec nous. C'est-à-dire, si vous occultez aspect ethnique et racial là, pour expliquer comment faire tout le qui rouge, tout le qui est peau en Haïti, tout le qui est petit couleur en Haïti, vous toujours privilégié dans le système. Si vous ne pas expliquer le phénomène, ça, c'est qu'on a un problème. C'est qu'on ne pas foutre intellectuel, ils sont volants. Il faut expliquer le peuple là, là, il fait débat, comment faire 10% de monde qui est peau rouge dans le pays, hein? C'est eux-mêmes qui contrôlent 90%, 95% richesse en dedans le pays. Hein? C'est-à-dire qu'il y a injustice, il y a un complot qui fait sur 90% nèg qui noir tête grenne. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un petit groupe nèg, 10%, un petit groupe nèg, zèbre qui a propose blanc dans le pays, hein? Qui contrôle richesse pays, hein? C'est-à-dire qu'il y a 90% nèg, il y a foutu toujours dans l'esclavage. Avec dit nous toujours dans plantation on a travaillé pour nexa pour 10% mettre là. Avec dit toute nèg qui travaille qui tout propose classement à un bullshit ou propose ou dans l'état bullshit toutes ces ratotliers pour qui raison parce que 95% richesse en dedans pays contrôlé par 10% nèg race qui pas mélangé et ça fondi dans tout bala yo pas mélangé yo tellement compte comment système là construit yo pas mélangé al garder madame nèg yo pour Madame Nègre au Mila, Petit au Mila, Marie au Mila, tout le monde au Mila, ils n'ont pas mélangé et puis ils disent oui, c'est haïtien. Avec dit, il y a un problème fondamental qui pose. Ou pas qu'à fucking dire que c'est haïtien. Ou propose qu'on s'agit pour défendre les terres ou aller passer pour haïtien. Mais pendant ce temps, qu'on réalité a frappé ou retrouvé qu'on a reconnaissé entre vous-même. Entre vous-même, c'est entre tête ou entre mariage, entre vous-même, entre petite femme claire ou petite femme rouge. Ça veut dire qu'on va préserver la race, ça veut dire qu'on va bluffer avec question haïtien. Dans quel niveau haïtien? Dans quel niveau haïtien? Oui, haïtien. Mais qui 90% haïtien qui a passé misère? Même beaucoup de gens qui ont Syrie ou Libanais qui a passé misère, on est dans un pays qui dit aussi haïtien. Beaucoup de gens qui ont mis la peau rouge, même haïtien qui a passé misère. C'est-à-dire, lorsque vous parlez de Haïti, le pays le plus pauvre de la planète en Occident, vous avez parlé de 90% de nègres noirs tête grenes qui sont dans la misère. Vous ne pouvez pas parler avec des 10% de mille qui ont bien fonctionné, qui ont tout le bagage, qui ont bien régionalisé dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a une colonisation interne, ou une forme de colonisation, ou une méthode, un modèle esclavagiste moderne dans le pays. Côté un petit groupe de 10% de nègres peau rouge, un petit groupe de 10% de nègres qui ont son homme, qui met tête ensemble, gangster, entre eux en dedans le pays. Et puis, aucun reste 90% de peuple noir dans l'esclavage moderne, et puis fait créer une classe moyenne, faire un travail dans le champ de nan bouyo, et puis même y a bien fonctionné, y a marié entre eux, y a vivre entre eux, y a style de vie, y a bien fonctionné, et puis content des problèmes crasants dans le pays, y a pointé au doigt, et puis y a les passeports haïtiens, oh oui, c'est haïtien tout. Bullshit, c'est haïtien tout, bullshit. Ou haïtien seulement dans le passeport, ou haïtien.
Mais mode de vous pas mode de vie monde haïtien. Mode de vous parce que là on doit haïtien. Mode de vous pas mode de vie monde haïtien. Parce que sous t'es haïtien, ou t'as connu fort richesse à répartir. Sous t'es haïtien vrai, sous t'es bon sentiment patriotique ou t'es remé haïtien pareil ou t'as connu que son injustice économique pour 10% nèg en dedans pays qui rouge, qui contrôle 95% richesse en dedans pays. Ou pas foutre haïtien vrai, voloye, blofoye. Ça c'est élément sang, rythmique là. Et c'est ça que me dit. Ou pral un bon paquet intellectuel qui complice là dans tout. Dans la mesure où, nèg yo pas jamais aborder problème ça sur le plan ethnique et racial. Yo pas jamais aborder. Et qu'on raison qui fait ça. Parce que nèg yo, yo n'a acquaintance avec, yo vin je wall ça rôle de house negroes, yo vin je wall et esclave domestique, ni politicien yo, ni élite classe moyenne, yo je wall ça rôle esclave domestique contre masse peuple. Et a fait ces bêtes pour pi méfier classe moyenne, c'est peuple race qui pi dangereux, c'est pas de révolution faite ni changement fait en dans société. Maintenant, le dernier élément, je vais toucher, mais là, comme tu es touché avec lui, tu essaies d'entrer avec lui, c'est ça, où est l'esprit, hein? Question civilisation, question culture, civilisation, ben ça, je vais toucher, parce que c'est l'élément immatériel, là. C'est l'élément immatériel qui va le plus problème, là. Tu me dis, non, bien. Après, comme je suis touché, Mathieu, là, je touche question sang, je vais toucher avec lui aujourd'hui, là. Dans le moment ça, dernier élément qui c'est l'esprit. L'esprit qui est un élément immatériel là, dans le culturel là, aspect culturel, civilisationnel, aspect et foi. T'aimes dit nous bien. Il y a un autre pour nous toujours poser tête nos questions. Dans quel champ civilisationnel que nous avons opéré en tant que peuple noir? Nous pouvons arriver dans la culture avec nous, non? Nous pouvons dans la culture. Une question civilisation qui est beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus large, qui sont sphères, qui est beaucoup plus étendue. Une question civilisationnelle n'a pas pire. Vous ne pouvez pas dire, monsieur, notre civilisation orientale, là, parce que nous ne sommes pas faits en Orient. Nous ne sommes pas faits partie de la civilisation orientale. Vous ne pouvez pas dire, monsieur, en Asie, bagaille, vous ne pouvez pas faire notre chance. Il est vrai que nous sommes en Afrique, en tant que peuple. Mais je ne veux dire, nous tomber en Amérique, nous faisons partie de Caraïbes, là. Nous te colonisés par les blancs, c'est-à-dire que nous inscrivons dans un champ civilisationnel que aurait l'Occident. L'Occident, sur le plan civilisationnel, il y a trois piliers majeurs là-dedans. Il y a le christianisme, judéo-chrétien, qui est le premier pilier. C'est-à-dire que l'on inscrit dans la dynamique, ça, nous fait partir de l'Occident. Parce que en Haïti, c'est vision idéologie, vision judéo-chrétienne, c'est les traverser presque tout système institutionnel nous gagne en Haïti. Par exemple, éducation nous recevons dans l'école frère de l'instruction chrétienne. Yo. OK, l'on dit chrétienne, frère de l'instruction chrétienne, et pas frère de l'instruction arabique ni islamique, non. Et pas frère de l'instruction hindouiste, nous dit non. Nous dit frère de l'instruction chrétienne. C'est-à-dire que l'esprit peuple haïtien, conscience, il aurait mettre avec l'Occident. Le recevoir éducation dans le système, ça recevoir système éducation à l'occidental, allocentriste. C'est-à-dire que ou son nègre qui fait partie sur le plan civilisationnel ou fait partie de l'Occident. Maintenant, il y a qui va tirer pied par la tête. Oui, Haïti fait partie de l'Occident. En matière de civilisation, c'est là nous y est. Normalement, nous devons supposer faire partie de la civilisation africaine. Oui, subsaharienne. Bon, le problème qui se pose, c'est que nous sommes des pays, nous décolonisons, nous colonisons, nous rachetons nous en Afrique, nous mettons nous en Haïti. So, normalement, tout champ de réflexion, nous, tout schème, nous, tout l'esprit, nous, c'est en l'Occident le bien. C'est-à-dire que nous prions l'Occident, nous lever l'Occident, nous manger l'Occident, nous brûler l'Occident. Maintenant, cet retour à racine, ça a été. Nous décapons dans le bout de terre, pas besoin de la dernière. Nous sommes capables de faire, si nous faisons retour par rapport avec une forme de cosmogénèse ou bien nous faisons retour par rapport avec culturogénèse, nous devons faire un retour pour aller par rapport avec Haïti, par rapport avec racine, nous, route nous, en tant que peuple noir.
Mais bien qu'il y ait une dimension ethnique et raciale là-dedans, mais ça n'empêche pas pour autant que nous, en tant que peuple, nous avons produit une civilisation qui était la première civilisation qui a jamais existé sur la planète Terre, qui est la civilisation noire, la civilisation égyptienne, la civilisation subsaharienne. Maintenant, il est évident que, je ne dis pas, nous capables de dire que nous, en Haïti, de par colonisation et système esclavagiste, nous venons faire partie par la force de ce qu'on appelle le champ civilisationnel occidental. C'est-à-dire que système de pensée, nos réflexions, nos langues, nos parler, l'inscrit en dedans, sa croyance, nous tout, l'inscrit dans ça. Et c'est ça fait, je ne dis pas, nous avons toujours un petit problème par rapport au vaudou, parce que le vaudou, par rapport au système et judéo-chrétien, le vaudou est diabolisé. Il est vrai que ça sont l'autre étude épistémologique et structuralisme pour me capable faire du vaudou pour m'inscrire dans la dynamique, pour me capable comprendre ni non champ qui le bagage le vaudou en tant que tel, mais bon l'autre dimension là donne que dans champ et épistémologique pour me permettre de comprendre que dans champ n'a opéré à chez sens civilisationnel occident. Frère de l'inscription chrétienne, c'est job de ça. Maintenir au niveau de l'esprit, au niveau mental, au niveau et conscience, faire bon conscience occidental centriste. C'est à l'Occident à penser. Toute réflexion produite, là, elle est dans le sens de l'Occident. Réflexion critique ou quelque chose lié, là, elle est dans le sens de l'Occident. Et tout autant pour qu'on menace, ou pour qu'on décolonise ciel ou ou pour qu'on décolonise l'esprit, c'est-à-dire mentalité, culture, j'en réfléchis, j'en fonctionne, automatiquement, ou réfléchis à l'occidental aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, question identité qui posait, bon, question identité qui se posait par rapport avec la civilisation occidentale, que nous fait partie là-dedans, qu'on nous fait partie là-dedans. Et nous avons en Haïti des institutions clés qui la même pour y'a qu'aimer, pour y'a pénaliser modèle là, système ça en est dans le pays. Et c'est ça qu'a fait là. Maintenant, même leur faire révolution, vous ou libre, ou du conseil indépendant, ou pour indépendance, mon indépendance, vous ne pouvez pas casser vous en rien, parce que yon, contre qui est-ce que vous prenez indépendance, c'est contre l'Occident, et vous faites partie de l'Occident. Vous finissez faire révolution contre l'Occident, ou chasser le colon blanc, qui c'est les chrétiens, judéo-chrétiens, l'église catholique qui te met dans le travail, et puis ou remettre l'éducation, système éducation là, by l'église catholique encore. Ça veut dire, premièrement, ou fin chasser blanc et ou dit blanc, vin coloniser l'esprit. C'est-à-dire que toute réflexion, c'est réflexion occident. Toutes gens réfléchis, toutes gens habillés. Deuxièmement, culturellement parlant. Culturellement, nous manger. On va manger à l'Africain. Tout le jour manger, c'est l'Occident. Qui est fouchette sous table. C'est l'Occident. En Afrique, on va manger comme ça. C'est l'Occident. Ils apprennent comment pour chita, pour croiser bois. Ils viennent avec sous toute forme. Ils ont le protocole. Il faut qu'on commence pour qu'il y ait des fouchettes. Ça, c'est l'Occident. Et puis, nous toujours proposons, nous raillons l'Occident. Nous parlons de l'Occident. Ou habillé en Occident. Costume qui met ou mettez sous, cravate ou mettez sous moi, l'occidental. C'est blanc habillé comme ça. Qu'on a proposé, oh, bavli ouais, blanc, mraï blanc, blanc c'est ci, blanc c'est là, débutant ou pas, même culture dominée. Avec du, au lieu de parler de culture haïtienne, parler de sous-culture haïtienne plutôt. Parce que culture qui domine là, c'est la culture occidentale qui domine. C'est la culture française. C'est la culture française qui dit mais comment on doit chita, mais comment on doit manger, mais comment on doit. Même l'orgue est mangé pauvre, mais manière qu'on mange. Manière qu'on mange, c'est où manger à l'occidental centriste. C'est même l'occident d'où comment on doit manger. Prière, religion, quoi sont notre phénomène. L'angle en tout, c'est un autre phénomène. L'angle où parle, ou parle français, ou parle anglais, ou parle français, ou parle créole. C'est-à-dire que on subit influence l'Occident, subit. Et ça a les poils occidentaux, les occidentaux. Ou pas encore livré, ou pas encore libre sur le plan spirituel, sur le plan mental, ou esclave toujours. C'est-à-dire qu'on sait de paramètres, qu'on sait de facteurs clés sur le plan mental qu'on n'a pas de contrôle. L'Occident n'a pas ou pas de contrôle, ou pour qu'on ait une identité vraiment propre à nous-mêmes. Et ça fait, nous toujours dans crise. Nous des crises. Parce qu'il y a deux institutions clés majeures dans le pays. Sur le plan civilisationnel qui tient nous en bas de l'Occident. C'est la religion judéo-chrétienne, l'église catholique et protestantisme. Et deuxièmement qui est tient nous en bas de l'Occident, c'est l'école.
C'est-à-dire deux institutions, ça, l'école nous baille, nous lagons le système d'éducation nous en bas blanc. C'est blanc qui décide curriculum pour nous. C'est blanc qui décide contenu éducationnel peuple haïtien pour apprendre nous. C'est blanc qui écrit pour nous. Deuxièmement, l'anglais à travers où est tout petit monde parle créole la caillou, tout petit monde parle créole dans la rue. Tout le monde parle créole en Haïti, mais quand on arrive dans l'institution, c'est français. Quand on arrive dans l'école congrégationnelle, c'est français. Quand on arrive dans... C'est-à-dire que, au bon pays, quand on que, nous proposons de faire révolution, c'est-à-dire sur le plan de l'esprit, sur le plan mental, sur le plan de la conscience collective, sur le plan du moi, sur le plan de civilisation sociale et culturelle, nous toujours esclaves. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'esprit qui est propre à nous-mêmes. Nous n'avons pas l'esprit, nous n'avons pas l'identité spirituelle. Nous n'avons pas l'identité que nous carrément nous propre à nous-mêmes. Nous n'avons pas l'identité spirituelle que nous carrément pas nous. C'est-à-dire nous avons opéré tout modèle, même au niveau intellectuel, tout concept que nous avons opéré sur nous, tout modèle de réflexion, tout modèle économique nous gagnons, tout modèle nous gagnons, tout paradigme que nous avons opéré sur nous, dans la réalité, qui nous comprenons la réalité, c'est paradigme qui sortit en Occident. C'est-à-dire nous esclaves, notre savoir, champ épistémologique, nous, c'est l'Occident qui contrôle ça. Pensez nous c'est l'Occident qui contrôle ça. Réflexion nous c'est l'Occident qui contrôle ça. Et pourtant dire oui, nous pas les ouais blanc, nous pas les ouais blanc, nous pas les ouais ceci. Oh oui, nous pas les ouais. Nous nous menti. Nous nous menti. Si je vais me n'a parlé de tabula rasa pour nous comprendre le système là. Faut nous pas écarter éléments ça yo dans le système là. Et même tout n'est pas ça proposer, on a voir système aller apparemment pas entrer dans logique ça, tout bluff nous. Nous nous menti. Parce que le problème est plus profond. Son problème, non seulement son problème n'est pas problème manger, boire qui pose, son problème d'ordre civilisationnel et culturel qui pose. Le problème est beaucoup plus profond. Il y a une crise paradigmatique qui pose. Dernièrement, j'ai écrit un article pour me faire avancer. Pour me dire qu'on a parlé de système, nous finalisons, nous pensons que c'était voyez, Jovenel Allié. Oui, voyez, Jovenel Allié est important. Mais le problème, il y a une crise dans mon élément paradigmatique latine. Gros problème de vision du monde, gros problème de vision de soi. Comment haïtien concevoir tête li? Comment c'est ça fait bon nèg m tande ou il te rele tête li? M pa nou exemple ça monsieur René Nesmi Maniga. Yo invite Nesmi Maniga dans conférence sur développement économique et puis Nesmi Maniga voyer monter la écrit bagay Nesmi Maniga monsieur était ministre éducation nationale. Et puis monsieur vini avec écran a fait tout étalage, tout le monde content. Ouais, masse peuple là content. Là dans boucle, yo content. Nesmi Maniga, Nesmi Maniga voyer monter. Là là on regarde Nesmi Maniga qui a fait exposé. Là moi son nèg tête pété qui sort en pile. Et puis me dit bon, OK, pas de problème. Dans le nèg ça était ministre éducation nationale. Mal garder monsieur pour moi profondeur l'esprit monsieur, mal tester les yeux, mal son de monsieur. Et puis me dit on prend micro, il me dit Nesmi Maniga. Comme le développement économique va parler. Tu me poses une question. C'est, on dit ça, est-ce qu'on a dit nous pour nous c'est quoi l'haïtien? On dit monsieur, est-ce qu'on a dit pour tout le monde capitaine d'oyo c'est quoi l'haïtien? Oh oui, c'est monsieur répond, monsieur prend micro, monsieur dit oui, c'est une question identitaire. Oui, c'est une question identitaire mbozo. On dit oui, on connaît son question identitaire mbozo. Parce qu'on parle de développement économique. Pas qu'il y ait de développement économique sans identité. Eh bien, si. On va parler de développement économique sans pas qu'il y ait d'identité. Nexon. Faut qu'on tête tout d'abord. Faut définir l'être. Faut qu'on définition. Faut appréhender tête ontologiquement. Faut exister d'abord en tant que tel. En tant qu'être. Pour qu'on y a pour réfléchir sur l'avoir. Sur sa proposé. N'est-ce que chita n'a pas, chita on a le technocrate, chita y a voué monté. Oh oui, nous allons parler de développement économique. Bonne tête pété, on va parler de développement économique pendant ce temps, chaîne de réflexion opératoire ou crise identité ou crise spirituelle dans maille. Dans réflexion pas produit pour vous, ou réfléchir pour dehors, ou pas réfléchir pour vous, parce qu'on a un problème identitaire. On dit, monsieur, c'est quoi l'haïtien? Monsieur, pas même qu'à répondre. Oh oui, c'est une question identitaire. Oui, tête pété, c'est une question
même identité à même pose. Parce qu'on vient discourir, on vient mettre un discours, un savoir sur le développement économique. On vient répéter une série de modèles économiques que l'Occident a construit. On répète une série de théories économiques, théories de développement, tête pété, m'tende ces doctoriers. Mais pendant ce temps, oubliez Nexayo. Tout docteur, ça a produit réflexion, ça a produit réflexion, ça a par rapport avec réalité socio-économique, pays, champ d'observation, c'est champ d'observation économique, pays. Maintenant, monsieur dit, oui, monsieur, monsieur a passé sous question. Et puis, comment ça se fait dans tout le bagage là? Comment ton niveau, mon sang, n'est qu'à l'école qui forme et qui éduque, qui propose et qui saute comme ça? Et puis, il me pose des questions. Pas de monde dans le comprendre. Il y a des gens qui disent, ça, monsieur dit là, il a parlé de développement économique et puis monsieur a parlé des Haïtiens. Développement économique, là, pour qui est-ce qui va aller? Pas pour Haïti, et pas pour Haïtiens. Et par Haïti, pour Haïti, développement économique, là, imbécile. Ou pas qu'on même, ou pas qu'on même qu'à identifier qui est-ce où il est. En tant qu'haïtien, pour définir tête ou en tant que tel, et pour construire ce qu'on appelle le jeu haïtien. Et bien, qu'on est là, ou pour qu'on comprenne, pour résoudre le problème crise identitaire, ça, qui fait depuis ces bagailles blancs ou bal plus valet, depuis ces bagailles blancs ou bal plus valet, que bagailles pauvres là, ou raille propre tête pauvre, c'est un problème identitaire lié. Ou pour qu'on même qu'à résoudre lui, et pour parler de développement économique. Ou pas un blanc bon équation pas qu'à résoudre. C'est ça expliquer que sur le plan mental, ou colonisé. Votre ciel est colonisé. Ou pas qu'à développer. En d'autres termes, nous qui contrôle l'économie de pays ou là, c'est l'Occident. Pour arriver, mettre l'Occident dehors économiquement, faut mettre l'Occident dehors d'abord, et spirituellement, mentalement, identitairement. Si vous ne mettez le dehors, vous n'êtes pas capable de développer économiquement. Quelqu'un qui va dire, oui, ça, monsieur, dit, je vais prendre un exemple avec vous, pour me clair. Pour qui ça nous demande, pour qui ça nous pense, la Chine ouvre porte by capitaux et capital américain entre dans le pays à venir développer. Pourquoi ça la Chine fait d'abord? La Chine met chou que tout le monde dans le pays là, conscient de qui est sérieux en tant que Chinois. Gon conscience collective de l'identité nationale. Yo conscient que c'est chinois, yo tout parle langue nationale là qui c'est mandarin, yo parle langue là, yo pas gagne bataille, oh oui c'est français, c'est anglais bullshit, yo pas dans caca comme ça c'est langue pa yo. Deuxièmement yo tout clair sur lui. Majorité 90% moun yo c'est ça relé, c'est bouddha yo servi. Ça veut dire sur le plan civilisationnel, langue là yo bon celle langue et on celle religion a fonctionné, c'est-à-dire culture yo gen même manger yo manger, ça veut dire gon sorte de identité nationale. Yo gon identité. Là on dit chinois yo, tout le monde d'accord c'est chinois yo, yo gen même identité. Yo clair sur lui. Pas gen bagaille on ti bout occident, on ti non. Et pour comme ça on fait, yo dou ou mettre vin investi. Yo dit blanc vient investir. Ou a vient exploiter. Mais pendant a vient investir, hein, yo fait McDonald's là. Yo prend concept McDonald's là, mais yo transforme concept McDonald's là en haïtien, en chinois. Yo fait McDonald's pa yo en chinois. Yo fait tout gros brand qui gagne yo en chinois. Yo prend modèle ou yo prend concept ou et puis yo applique la réalité pa yo en chinois. C'est-à-dire yo conserver identité yo. Yo conserver propre identité pendant ce temps yo d'accord pour venir hein? Yo d'accord pour venir ou venir avec concept là ou venir avec idée McDonald là ou venir avec bagala mais l'arrivé sur terrain baptisant McDonald ça c'est en chinois la fête même bagala ça dépassé au Japon les arrivé au Japon Barbie qui compte faire ti poupée Barbie là quand il arrivé au Japon il y a le vendre poupée Barbie au Japon. On a yo les Japonais regardez les mesdames Japonais regardez yo on ti moun très on ti poupée bien long blanc cheveux blondes qui pas même semblé avec yo et puis les regardez yo poupée les blancs les américains regardez yo poupée les compagnies poupée Barbie regardez yo poupée Barbie pas qu'avant au Japon pas jamais bon moun bien pas nos japonaises qui achetaient poupée Barbie à mon petit yo pas nos japonaises qui achetaient. Parce que vous pas semblé avec eux, qui te met les bounda yo, yo pas connait yo gen moun ki blond, yo pas connait yo gen cheveux blond, yo pas connait yo gen moun ki bien haut, yo un petit poupée bien haut, un petit poupée cheveux blond, yo vinn lagé dans market yo a bullshit, pas gen moun ki achete le net. C'est-à-dire que bon c'est de produits occident ba, ou c'est pas produit seulement yo yé.
Mais ce sont des symboles identitaires. Ce sont des véhicules pour transmettre une identité, pour coloniser mentalement, pour transmettre des valeurs. On produit pas seulement, on produit. On produit, c'est ce qu'on appelle l'igon, message symbolique qui cache d'elle. L'igon, ensemble de valeurs qu'elle véhicule. C'est-à-dire, l'on dit, l'on vient avec Barbie en bas, ou produit Barbie, hein, ou on dit poupée bien longue, pied filé, sexy, ou elle des cheveux blancs, sur le plan civilisatoire, sur le plan symbolique, lui représente un système de valeurs à l'Occident, à l'Occident. Cheveux blancs, c'est là. Oui, c'est en Occident, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a vendu un modèle à travers le produit. Hein. Chinois, japonais, on dit, nous pas acheter. Là, on regarde sous 3 mois, je ne vais pas acheter pour payer. Mais si c'est en Haïti, là, on a pris tout le monde qui a pris, tout le monde, toute femme haïtienne, on a pris l'acheter pour payer, même les pour payer, pas semblé à petit, on a pris l'acheter là, japonais a dit, on va comprendre. Comment ça, japonais a fait? Japonais a tellement intelligent, comment ça fait? Japonais a volé concept Barbie, concept poupée. Comment ça fait? Il fait une poupée Barbie qui semblait, qui a géchiré, qui a cheveux noirs, qui coûte. Et puis, il y a sous maquette là. Ça veut dire, il n'y a pas de problème avec le concept là, non? Faites attention. Mais il y a un problème avec la représentation produit. Ça cache des produits. Symbole pour le produit à représenter. Valeur de produit à véhiculer. Et puis, ça, quoi, vous faites? Yo même encore, vous mettez sous marché japonais, yon Barbie à la japonaise. J'ai chiré, yon Barbie coûte. Il y a un babi cheveux noir, et puis ça tente à l'ivre tant qu'on pâte chaud. Japonais, ils ont acheté pour petit, ils ont acheté pour petit. C'est-à-dire que, ils ont contre carré l'Occident qui vient envahir ma tête. Ils n'ont pas payé l'argent, ils n'ont pas payé pour un bagage qui va sembler avec eux. Ils n'ont pas acheté un bagage qui va marcher avec valeur et identité. Et bien, c'est ça, je me dis, élément, Nesmi Manigal, je me dis, c'est quoi là, ici, imbécile. C'est-à-dire, il faut que vous définissez tout d'abord. Avant que vous parlez de développement économique, c'est ça qui nous touche. Nous avons pile gros nègre qui a proposé économiste pété. Nous avons pile gros projet économique. Mais puisque vous avez un problème identitaire qui pose, vous n'avez pas qu'à réaliser une merde en dedans pays. Hein? Parce que vous n'avez pas d'identité. Vous n'avez pas d'identité. Haïtien tout bête, haïtien tout caméléon. Nous tout bête, haïtien parle espagnol, nous tout parle espagnol, li parle anglais, li parle français, li parle japonais, li parle ceci. Ou pas qu'à tout bête. Il faut qu'on quelque chose. Ou pas qu'à tout bête. Ou qu'on crise. Ou qu'on trouble des personnalités. Comment on fait tout bête là? Oh oui, il faut parler toute langue. Oh oui, nous polyglotte. Oh oui, nous. Ou pas qu'à fucking polyglotte, bro. Il menti. Ou pas un pays qui développe, yo. C'est là, c'est celle l'élite qui parle plusieurs langues. Mais toute masse ne parle une seule langue. Là, aux États-Unis. Ou pas les gens qui bataillent 4 fêtes là pour tout le monde. L'ordre dans le pays, c'est anglais pour parler. Hein? Ou pas les gens qui parlent petit temps pour vous. Ou pas les gens qui sont ils sont tellement intelligents. Tant qu'ils apprennent l'anglais, ils préfèrent exploiter. C'est-à-dire que leur vie ne parle pas l'anglais, ils font un bon interprète. Interprète comme gain. Mon pas les juges ne vont pas apprendre l'anglais pour vous. Ou pas les juges ne vont pas apprendre et pas pour vous. Quand il n'y a pas la prendre pour yol, il n'y a pas la prendre si c'est là pour. Non, il n'y a pas dans la comme ça. Anglais. Mais nous-mêmes en Haïti, nous étudions toute langue. Pour penser si c'est là, nous étudions toute langue. Nous pouvons même faire notre créole. Et nous pouvons même faire notre langue créole là, non? Nous pouvons même faire créole là, bien chita. Nous parlons français, nous parlons anglais, nous parlons espagnol, nous parlons toute langue. Pendant ce temps, nous oublions que. L'anglais, son facteur identitaire lié, son facteur culturel, son fait culturel lié. N'oubliez ça. Nous-mêmes, on a détruit notre propre culture. Nous raillons tête, nous raillons ça, nous, parce que nous ne pas même qui ça, nous. Ouais, l'élément esprit, l'élément spirituel, c'est-à-dire une crise spirituelle qui posait en Haïti. Et du moment que crise spirituelle l'a posée en Haïti, c'est-à-dire sur le plan de la pensée, sur le plan civilisationnel, sur le plan culturel, sur le plan de la connaissance épistémologique, sur le plan cognitif, nous pas qu'à résoudre le problème d'identité, ça nous y est, nous pas qu'on conscient de ça nous y est en tant que tel, nous nageons dans tout sens, nous à gauche, nous à droite. C'est normal, nous avons subi ça, la colonisation moderne, nous avons subi ça, l'occupation. Parce que nous avons vie toute bête. C'est un problème, nous avons vie blanc.
Si ça fait journée aujourd'hui, nous on a acheté des misida, on a acheté bagaille pour changer couleur nous raille tête nous raille propre tête nous raille ça nous en tant que peuple, nous raille ça nous raille ça, nous tellement raille ça, nous raille ça nous plus rêmer ça à l'étranger, nous plus rêmer ça sur dehors, nous bail ça sur dehors plus valeur. Et ça dit valier tout fait pays oui. C'est ça qui fait nous gagner les six au Libanais dans le pays, c'est nous cap riche dans le pays parce que nous rêmer plus, nous veut pas plus bail monde qui sont dehors. Tout ça qui sort dehors, tout ça qui sort à l'étranger, c'est eux nous bypasser. Mais pas nous, yo, nous jeter, yo, nous ne bâillons pas l'importance. Et bien, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Même nos familles, il y a là. Ou pas qu'on voit mon petit pal d'Iraïl, Aïssène n'a qu'on petit pal d'Iraïl, et puis la chuchoté petit plot mon lui. Un petit pal d'Alba, ouais, ça cacoubette. Petite par là, il y a tout défaut. Petite par là, il y a tout défaut. Et puis, quand c'est petit, l'autre monde dans le balvalet. Ben, ça répète même dans l'église. En dans l'église. Beaucoup de gens vont aller dans l'église. Petite pauvre, petite monde dans l'église. Il y a un problème avec elle. Les raïl, les parvlés, haïtiens, non, oui. Et puis, pendant ce temps, petit pasteur, il balvalet. Parce que c'est petit pasteur à 10, petit pasteur à 10. Petit pasteur fait tout. Quand dans l'église, petit pasteur fait toute bêtise qui est dans l'église. Oh, c'est petit pasteur. Oh, c'est... Mais quand c'est petit pour là, ou prêt pour foutre quelques coups de poing, ou prêt pour m'en rager dans le monde, ou prêt pour péter fierté, ou raillir pour sang. Est-ce que ça m'a dit d'aller à mon avocat comprendre? Ou raillir sang, ou raillir son chocolat dans le ventre, ou raillir son produit, ou raillir tête. Mais ça, c'est haïtien. Après, me demande de tête péter ou les Nesmi Manigaoui, me dit monsieur, comme ça, qui ça haïtien y est? Définis-le pour nous comprendre rapport le gain avec le développement économique là. Il va pas répondre avec des oui, ou son question identitaire. Oui, tête péter, me connais son fucking question identitaire, me dépose ou ça. A qui est-ce que tu vas me dire? Next shot, me connais bien son question identitaire, me pose ou. A venir parler de développement économique, tout a venir parler de théorie développement économique. Oh oui, nous avons théorie telle pété, développement économique. Pendant ce temps, nous ne faisons pas, mais maman chèque, nous ne pas rien pour nous manger un petit. Tout bagage nous c'est importé, diri nous importé, blé nous importé, poids nous importé, paille moulin nous importé, poule nous importé, tout bagage nous c'est blanc à peau du coup. C'est ça que ça nous fait consommer. Nous consommer connaissance, nous consommer et savoir, tout ça, nous consommer langue étrangère, connaissance étrangère, c'est consommer, nous consommer. Nous pas produit, on merde, même au niveau de la pensée. Même au niveau de l'esprit, nous pas produit rien. Tout bagaille nous c'est absorber, consommer. Nous produit toute connaissance nous c'est blanc bas nous, blanc produit pour nous. Toute théorie c'est la cité. Toute pensée économique c'est blanc produit pour nous. Nous pas produit chier. Même au niveau de la pensée, même au niveau de l'esprit, nous pas produit oh merde. Si ça nous te gagne, nous te produit nous craser, nous détruire. Nous ne pas valoriser la culture, nous ne pas valoriser nous en tant que peuple, nous ne pas valoriser la tête. Nous. C'est ça qui fait nous quitter les sites touristiques, nous avons détruit. Site, nous n'avons pas de belles sites touristiques, nous quitter les détruit, nous craser, nous ne pas prendre soin. Faut dimanche, comment les bagages ça, et faut Jacques et Alexandre, nous ne pas prendre soin, nous ne pas investir là-dedans, nous raillons la tête, nous raillons l'histoire, nous raillons la tête en tant que peuple, nous ne pas valoriser. On merde! On merde, nous ne pas valoriser. Oh merde, il n'y a tellement pas valorisé. Peuple haïtien a fait manifestation. Vous demandez vimi yo. Libre là, il a fait manifestation. Vous demandez vimi yo. Deux trois petits carottes au boulet avec deux trois petits plaza de l'bord qui est au boulet. Deux trois petits plaza au boulet. Oh, tout le monde, toute classe moyenne est monté sur Facebook. Oh oui, ton peuple haïtien sort. Ton peuple haïtien imbécile. Oh, regardez ta yo. Bon cocorat, regardez ta yo. Pendant ce temps, pour le doigt, il y a. Et revendiquer. Pour la vie meilleure, il y a bataille. 90%. Pour la vie meilleure, je ne mets pas dans la rue, il y a bataille. Je ne mets pas dans la rue, il y a manifesté. Je ne mets pas dans la rue, je ne suis pas au Libanais dans la rue. Je ne pitch pas dans la rue, il y a manifesté parce que vie, parce que système, non, c'est pour le lier. Système, non, c'est en faveur de lui. Ou je n'ai cité soleil, ou je n'ai pas cité carton, ou je n'ai pas cité peuple, ou je n'ai pas cité dans la rue, moun qui pas connu, moun qui pas accès à l'hôpital, moun qui pas accès à l'éducation, moun ça, et yo prend la rue à manifester. Oh, tout le monde commence à jouer, tout le monde dit, pep, c'est moun sale. Oh oui, regardez, oh, illettré, regardez taille, regardez comment yo, regardez figu, regardez. Oh oui, c'est si yo ta. Haïtien, tellement raïssable. Tellement haïtien, raïssable.
Li rayi pof frèl, li rayi méchant. Non, mais là, son méchant de mi là, non? Li rayi frèl là. Frèl la bataille pour jouer sous son man. Li dit au système pas bon pour lui. Frèl la prèl en brèl, va karete dans condition ça la vivre là. Li met ses conditions de changer. Parce que gonti groupe net vole kembe économie en un pays en un meyo. Gonti groupe mafia qui met ensemble avec la classe politique là. Qui kembe la bataille. Gade tayo, oui, yo sale. C'est parce qu'on kembe yo nan mauvais condition qui vient au sale. Et puis gade, la Chili, Chili, pays qui anti j'ai développé, parce que nous, bonne tête pété. Peuple a pris la vie pour être trois gouttes, mes amis, trois gouttes, gouvernement Chili a mis sous gaz. Ton écrasé chien, peuple Chili a sorti pour le bouler. Chili, pas trop pas. Et puis quand John Bo qui a ici t'apprenti, ah ça fait pas jouer, des blancs qui a fait, et Chilien qui a fait, après on va dire, oh peuple ça sale, oh peuple ça est détruit, peuple ça, on compte les nègres haïtiens du coup ça le prend shopping. Par exemple, les manifestations de Chicago, des peuples haïtiens dit, les citoyens ont dit, prend shopping. Autant de y a montré comment y a pillé, y a montré dans la télévision comment y a pillé magasin, y a pillé ceci. Gardez les peuples chiliens. Sorti là dans manifestation à Val Champin. Nèg, peuple chilien, a volé, a rentré, cassé magasin, prend bagay, prend ceci, prend cela, prend pote si, pote la caillou, go télévision, go ceci, y'a pote. Et puis quand John Bok est haïtien, t'as critiqué haïtien, tout fait même John Kakaoua. Mais elle fait pas vrai, haïtien c'est chien, oui. Haïtien c'est bête qui peut chier, t'es sur la terre, oui. Tellement y'aura hip hop, tellement y'aura ça. Mais tellement y'aura ça. Gilets jaunes en France, gilets jaunes, m'ont lâché, ils ont crasé, ils ont bousé, ils ont monté sur le Champs-Élysées, ils ont pété, ils ont roulé en roue, ils ont crasé en bousé. Haïtien, oui, tout haïtien fait mettre dans nous. En France, il y a prévendiqué blanchir vêt, oui, qui a bon l'hôpital, qui a bon l'école, qui a un système de santé, retraite, bagage, bois, ils ont pique bien assez haïtien. Ils ont vivre bien, oui. Ouais, ils ont défendu, ils ont descendu dans la rue pour manifester, pour craser, pour demander droit. Et puis, tu t'es pété, même en Haïti, après la manifesté pour un autre de bord qui est lancé sur Facebook pour poser qu'on dit oh, Haïtien, oh, Haïtien ça, oh, tellement y'a Haïtien, y'a pas fait peuple à moun. Comment, y'a pas fait moun, y'a pas fait frère manger, non, mais. T'as mon équipe, moun, monsieur, y'a pas fait frère, frère, yo qui découle les noix, mais j'arrive, y'a pas fait prendre la rue pour défendre l'oual, non. Tellement y'a méchant, c'est y'a seulement qui pour caler bunda y'a sur tes frères. C'est ça seulement haïtien gagne dans ma île. Raïssa, méchant criminel. C'est eux seulement qui peuvent mener. Depuis yon ron frère, yon mené là, yon mené enragé. Et pas pour son raison de yon pas vle haïtien, yon pas vle négal manifester, non? Et pas pour son raison, non? M'balbon. Ti messieurs artistes, sorti dans la rue, manifestation. Ou tout le monde met maillot blanc. Ça d'où tout le monde met maillot blanc. Oh, tout le monde met maillot blanc. Ça doux, peuple a des maillot blanc. Quand on est cité soleil, la fucking jeune maillot blanc. Quand on est cité carton par mignon, qui gonselle gen chemise, quand on est fucking jeune maillot blanc. Pour nous trouver que nèg la pas fait manifestation, qui est en mettre limite, qui va parler à tout le monde. Qui est en mettre limite, ou à son bagaille. Même manifestation, il y a discrimination là-dedans. Manifestation, de quoi pour qu'on fait pas y'a différent. Même dans la manifestation, oui, pour faire différent. Yo, même moi, je pas dit mobilisation générale, c'est manifestation. Je dis marche pacifique. C'est-à-dire, même dans moi, je fais différence. Oh la marche pacifique, pour montrer que c'est marche, yo différent yo-même. C'est marche pacifique. Et puis, j'entends là, puisque c'est artiste qui dit, même moi, tu contre le peuple, raille, on écrase le peuple, on fait comment c'est, ouais. Puisque c'est artiste qui dit, et puis Isol, l'embras sauté, et comme Tidjo Zenit, tout comme Tidjo Zenit, bon petit coulet, et puis j'entends toute classe moyenne dans sauté, toute classe moyenne qui a des maillots blancs sauté, oh yo yo, et puis j'entends des balades dans le carnaval. Pas de droit qu'après vous dites qu'on est encore, non? Et pas de droit, non? On a le carnaval, tout le monde vient gouiller, tout ça a pesé l'autre, tout le monde a fait macaque, yo prend mouvement peuple là, yo de changer la macaque, oui, en saloperie. Le bon mouvement peuple, car il faut dire que pour chier dans le système, et puis on a le tête pété, débarqué, à propos de maillot blanc, faut qu'il mette maillot blanc, fait ma carte. Pendant ce temps, tous les peuples ont manifesté, combien de jours, artistes n'ont pas là, vous ne voyez pas de monde qui te prend la rue avec eux, non? Artistes pas prend la rue, on paquet de monde pas descendre dans la rue, non? Ouais, c'est quoi artistes qui descendent dans la rue, tout le peuple a pris la rue, tout le monde classe moyenne a sorti, pour quelle raison? Parce que Tizogé est à plat d'homme.
si José n'est pas là-dedans, et Isol n'est pas là-dedans, Kinkino n'est pas là-dedans, et Boulos n'est pas dans la rue. Ou au moins, puisque petit monsieur Roussa n'est pas dans la rue, on ne peut pas que petit Jol Bok est haïtien noir, rancé, qui va respecter les peuples qui ont manifesté là-dedans, les peuples Cité Soleil qui ont pris la rue. Non, pas dans une Cité Soleil. Oh, Cité Soleil, c'est mon sale. Oh, Cité Soleil, mon. Oh non, merde, ma carré peuple ça. Tellement le rancé, tellement le bêtisier, man. Tellement pas respecter moun, y'a pas bay moun importance, y'a pas bay la vie moun en rien, y'a aucune valeur. Y'a pas respecter moun, même dans manifestation y'a discrimination. Même pour manifester pour droit on est dans le pays, y'a discrimination. Hein? Genèque, oh maillot blanc, oh, il puissant si bon, si José n'est pas là, ben la puissant si bon. On comprend, si José n'est pas là, si José n'est pas là, artiste n'est pas là, comment il y a des autres là, Kinkino n'est pas là, artiste n'est pas là, bon, on comprend, en pile, mesdames, sautent, il a mis des pantalons sous bout, pantalons serrés, tu as fait des bougies pour aller rencontrer artiste, pour l'occasion de quoi, parce que c'est l'occasion à bien pour y avoir si José n'est pas là. Il n'y a pas de l'argent pour payer $20 américains, il n'y a pas de $30 américains. Pour aller en bas, il y a Tidjo Zenit. C'est dans la télévision qu'on voit Tidjo Zenit. Pour qu'on voit Tidjo. Quand il y a l'ordre de vous paraître, oh oui, qu'on a pour aller voir isolant, parce que c'est dans la télévision qu'on voit isolant. T'as fait peur en va, il va aller à vos arrêts. Manifestation. Pour comprendre, on va dire, bon, violence, c'est bon, qui fait dans l'esprit peuple là. Pour y aller à l'hypop, frère, pour y aller à l'hypop, pour pas vouloir un monde qui semble avec eux. Haïtien, pas vouloir un haïtien pareil. Monde qui semble avec lui, raille ça. C'est étranger le bail plus important. C'est étranger. Depuis ces bagages qui sautent l'autre bord, ils ont envahi. Ils ont fait ouais, tuer nous à pépé comme ça. Depuis ces bagages qui sautent l'autre bord, oh oui, oh, l'autre bord, puis bon. L'autre bord, puis bon. L'autre bord, puis 10. C'est l'autre bord. C'est l'autre bord. Pour la foutre nous cancer. Pour le pourri à bas nous cancer. Il n'y a pas besoin de comment ils font. Il n'y a pas besoin de qui ça, on met la dame. Tout ça fait l'autre bord. Bâton. Tout ça fait l'autre bord. Bâton, ils font nous railler production nationale dans tout sens. Dans tout sens, nous raillons la production nationale. Nous raillons ça, nous raillons la tête, nous raillons la culture, nous raillons ça, nous y en tant que peuple. Nous raillons qui ça, nous pas aimer tête, nous dernier castagne, même avec Bilos. Et puis ça te fonde dans tout le bagage là. Ça te fait mal plus, non? Pourquoi est-ce que tu as vu ça? Oh oui, Boulos. Dimitri Vob, pas moi un contrat yo. Pas moi un contrat yo. Persécution politique. Qui caca ça? Ça veut dire persécution politique. Pas moi un contrat Dimitri Vob, pas moi un contrat Boulos. Pour seul grand motherfucker, retel gen 30% dans l'argent l'ONA qui cal jeune ni. Et puis nous trouver ça normal et puis on a le gars, oh, pas moi un contrat. Comme si haïtien tellement chien, haïtien tellement sans pudeur, il tellement laïté, il trouve le normal pour ce grand nègre là, il 30% l'argent en institution. Il trouve le normal. Et vous donnez des nègres qui prêt pour défendre ça, oui, des nègres qui prêt pour défendre, ton est boule, des nègres qui prêt pour défendre. Boulos qui est 30% dedans, on est dans Ogona. Il est tellement audacieux haïtien, tellement géché. Il n'y a pas pour défendre ça, il n'y a pas pour justifier 30%. Pendant ce temps, 30% l'argent, ça, c'est machine là importée. Et pas même production nationale. Et pas même production nationale, il investit l'argent, non. Il prend pour l'importer machine. Pendant ce temps, pas fucking route, pas rien pour le monde pour monter. Et pour je nègre, pour nous, on a le volet vicieux, on a le petit balakou. Qui est à mon égo, et puis il dit, oh oui, c'est vrai, bon, 30% c'est pas aussi mauvais que ça. 30%, bon, écoute, il a fait spéculation, il a fait violence sur le peuple pour accepter comme normal. Pour accepter comme normal. Hein? Ou fucking mon contrat dans le monde pour payer le peuple à courant. Hein? Qu'on y a là, puisque c'est une égo rouge qui est le cerveau, comme si noir même, noir, comme si tu noir tête grenade n'a pas gagné contrat tout. Mais c'est là qui paye Jol Bok qui est mon là. Comme si tu n'as pas gagné le contrat. Et si tu n'as pas gagné le seulement qui a gagné le contrat dans le pays. Et si tu n'as pas gagné le seulement qui a produit courant. C'est ça, c'est le seul qui a gagné. C'est le seul qui a gagné le contrôle banque. C'est le seul qui a gagné le contrôle système bancaire. C'est le seul qui a gagné le système économique là. C'est le seul qui a gagné le contrôle là. Pas me dire pas gagné le bourgeoisie noir qui émerge.
Nous foutons la réalité nous en tant que noirs, nous la réalité nous en tant que peuple. Nous tellement criminels. Nous pensons que nous avons été grenants, c'est celle vaisseau le calaré, c'est avec blanc, nègre mouche là seulement carité. Tellement raïssable. Comme si tu es noir depuis que tu es noir, tu as gagné, nous ne pouvons pas vivre. Hein? Non, je ne peux pas quitter le monde pour un petit noir pareil. Je viens de faire un gros contrat, un gros contrat par le courant. Mais si c'est un nègre pour Ouzier qui gagne, si c'est un nègre pour Vogue qui gagne, Couleur qui gagne, qui milate, si c'est un nègre pour Boulos qui gagne, c'est normal. C'est normal en dedans pays. C'est normal. Mais depuis que tu es noir, tu es grand qui gagne. Oh, shit. T'as la vie propose à Rogan sous moi, t'as la vie nouvelle Bundal sous moi. Ça veut dire nous raïssables, nous méchants, nous noirs méchants, nous raïtèques, nous criminels, nous assassins. Nous pas voulons être net, nous pareil, nous diables. Nous diables, où j'aime dans des milliers qu'on prend coup de poudre, ben non merde. On prend coup de poudre, c'est petit, nous pareil, ou faire. Quand on parle d'une milliard pour balle coup de poudre, où j'aime dans des milliers qu'on prend un coup de zombie, ben chien. Quand on parle d'une zombie pour nous balle milliard là. Quand nous voyons un coup de zombie, nous ne pouvons pas dire les milliers de mourir à Fontainement, nous j'aime voir côté au Fontainement. On tête pété. Nous j'aime voir côté au Fontainement. Nous avons des morts par eux, nous avons côté pour mettre des gens pareils. Pas une grimace, nous pas essayer d'entrer, il a fonctionné. Mais si frère nous fait coup de poudre pour nous bailler, nous voler sous tête caille la caille, parce que nous avons des têtes caille dans le béton. Quand on va le voler, ou qu'on va le voler sous tête caille Boulos, ou qu'on va le voler Lugao sous tête caille Dimitri, ou qu'on va le voler Lugao sous tête caille Vob. Ou quand vous les gars ou sous tête caille et nexayo, d'ailleurs il y a une sécurité, il y a plein monde à cartouche sous tête caille ou à propose le gars ou malfaiteur sale. Moi je suis pauvre, sous tino pauvre pareil ou bien folie le gars ou malfaiteur. Moi je suis sous tino pauvre, noir pareil ou qu'on a le vol, il va le prendre, il va le ceci, il va le cela. Parce que misère fait nous faire ça. Mais nous pas connaître si c'est conditionné, nous conditionné pour nous vivre comme ça. Hein? Ou j'aime dans des boulots, n'en prend bien. Ou j'aime dire yo prend prend bien ou elle prend bien chance, elle prend bien ceci, elle prend bien cela. Yo pas besoin bien parce que yo intelligent, yo regroupé tête ensemble. Yo met tête ensemble. Mais au même si nèg noir tête green fois elle prend bien, fois elle demande dans mouka diab, faut bon mouchoir rouge pour mettre dans bunda poche ou pour ceci pour cela. Ou tellement grand mentalité esclave ou pour qu'on libre dans mental ou tellement grand mentalité esclave. Ou j'aime tant de yon milat kon zombi. Yon kon fè milat zombi. Yon kon leve zombi milat. Yon kon leve zombi si ou Libanais. Mwen yon ti nou a tête gren dan pou nou nou gen histoire zombi pou nou raconte al mette nan plantation pou nou. Bon méchant, bon criminel. Nou ray pop fwe nou. Nou fè magie. Nou fè poudre. Nou poudre fwe nou. Nou poudre sè nou. Nou limè l'huile. Moun da fwe nou akse nou. Men nou pa jam rende nou kont ke nan kondisyon ap viv lan. Son ti goup mek ki fok yon mette nou nan kondisyon ap viv lan. Nous raïssables. Nous raïssables. Hein? Nous raïssables. Nous méchants. Nous raïs propre tête par nous. Nous raïs propre tête par nous. Nous raïs frères nous. Nous raïs nous. Et pas rien parce que nous n'avons pas d'identité. Nous pas apprendre à valoriser rien. Nous n'avons pas apprendre à nous valoriser frères nous. Nous pas apprendre à valoriser seuls nous. Nous pas apprendre à aimer yon lot. Nous pas apprendre ça, nous pas gagner l'amour pour propre tête nous. Et puis quand dans des pays il y a des crises, nous propose nous puis haïtien passer tout le monde, nous propose nous puis devant passer tout le monde, manifestation de boquet, puis demande enragé, puis tomber dans même caca nous tayer encore parce que nous pas même comment pour une bataille. Qui côté? Et pas même système là. Et pas même système là pour reproduire. Tout autant nous pas attaquer les qui gagne moyens économiques dans mais tout autant nous pas main membre qui gagne ressources économiques dans mais pour nous dire faut bagarre la changer faut c'est pas un petit groupe nèg seulement qui pour soucier pour qui raison nèg ça vient dans pays étranger un milat en dedans pays pour c'est chaque jour pour depuis 200 ans c'est nèg ça seulement qui contrôle ressources en dedans pays beaucoup j'aime moi milat à demander dans la rue beaucoup j'aime moi milat dans nécessité tout journée c'est nèg ça qui mener get maman yo merde. On a vu dit oui, on a vu dit oui, on a vu moun. Non, on fout remè. Peuple noir, non, remè nèg noir. Pour que raison c'est 90% moun qui pa, qui sale, 10% noir. C'est yon toujours sale là. Pour que raison c'est 90% noir qui toujours dans misère. Pour que raison c'est 90% noir qui toujours dans pauvreté. Pour que raison c'est 90% noir qui toujours pas ka manger. Pour que raison c'est 90% noir qui toujours pas ka gagner accès à l'école là. Pour que raison c'est 90% noir qui toujours pas ka gagner accès à une bonne éducation. Pour les institutions noires, le problème non. Et puis tout le monde trouve normal pour Milat la bien roulé. Tout le monde trouve normal pour Syrien la bien roulé. En dedans pays, en dedans même pays.
Même pays où là, vous trouvez le normal? Vous trouvez le normal? Vous trouvez le normal? Vous trouvez le normal? Même dans le pays occident où immigré et dans bataille pour passer, malgré leur fin passé, il n'y a pas de fin passé net. Frère contre frère, quand vous pensez au fin arrivé net, pas un bullshit comme ça. Pas un système, vous avez fait pour vous, vous avez fait pour le servir, vous avez compté vous contrôlez propre tête par vous. Mais même en Haïti, tout ce fait c'est pour blanc. Tout ça fait c'est pour étrangers, tout ça fait c'est pour Mila, tout ça fait c'est pour comment on les net ça si au Libanais. Tout ça nous fait c'est pour nous, tout ça est au même cap mené, tout ça est au droit pour manger dans pays, c'est au droit pour boire dans pays, c'est au droit pour fonctionner dans pays, c'est au droit pour vivre bien dans pays, c'est au droit pour rouler machine dans le pays, c'est nous trouver normal, nous tellement accepter, nous trouver normal. Et nous pas jamais questionner ça. Nous trouver normal. Pas de justice économique. Nous ne pouvons jamais parler de justice économique dans nos pays. Et nous ne pouvons jamais parler de justice économique dans nos pays. Comme si c'est normal pour toujours ne c'est Brandt, c'est Marcel, c'est Meuse, c'est ceci, c'est cela. Toujours les mêmes familles, toujours les mêmes noms. Pas de yon lado qui noir. Pas de yon lado qui noir, non? Pas de yon lado qui noir. Et puis quand on a parlé des révolutions, de changer le système, faire peuple, faire caca, faire mettre peuple dans la rue, faire du boquet, faire lancer bon menteur, bon bluffeur. Nous tous ces menteurs, nous tous ces bluffeurs, nous tous ces actionnaires, nous tous nous menti. Nous connaissons la peuple, nous connaissons vrai problème non, qui côté lié, racine problème non, côté lié. Mais je fais toute grande étude avec nous pour nous comprendre que si vous faites une approche marxiste de problème, vous côté problème. Mais si vous voulez changer le système vraiment, vous voulez changer le système pays, améliorer les conditions de vie, son justice économique, il cherche, elle cherche contre qui est-ce qui contrôle les moyens de production, infrastructure. Elle cherche contre qui est-ce qui contrôle l'infrastructure de pays, ça aurait des moyens économiques. N'est-ce qui contrôle les moyens économiques, gardez pour qui classe lié. Et puis elle garde pour elle. Depuis où elle est là, pour comprendre qu'on y a tout vrai problème nous aujourd'hui. Tout vrai problème nous aujourd'hui. Nous chita l'état, 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 l'état. Nous chita l'état, 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 l'état. Oui, l'état irresponsable. Oui, l'état irresponsabilité. Mais nous pensons que c'est comme ça l'état a fonctionné. Tout n'est mis là, tout n'est si au Libanais, il y a un gros code marié, gros long brut marié avec blanc étranger, avec l'Occident. Gros long brut marié avec l'Occident. Tout long brut marié avec l'Occident. Ou pas un sénèque qui a importé tout produit occidental dans le pays. Ou pas chez les gens qui ont importé tout produit blanc, produit dans le pays. C'est votre vecteur, oui. C'est votre commentaire, le circuit sale blanc dans le pays. Quand on aura parlé, ou un problème avec la production nationale, ou un problème avec le pays qui a fonctionné. C'est les gens qui sont responsables de tout problème dans le pays. Quand on a mis les gens dans la rue, manifester, nous disons qu'on va changer le système. Nous allons changer le système. On ne peut pas identifier le vrai problème, nous allons changer le système. Nous allons changer le système. Nous pouvons identifier le vrai problème qui contrôle le pays, qui contrôle les ressources du pays, qui contrôle la richesse du pays. Nous ne pouvons pas bien vivre dans le pays, qui n'a pas de pays, qui n'a pas de problème du pays. Il n'y a pas de problème pour tout le monde vivre dans la pauvreté, dans la saleté, la saline, quelque chose à côté de l'IA. Il y a tellement de choses à faire qu'on a la guerre sociale. Le peuple n'a pas besoin de charité. Le peuple n'a pas besoin d'ONG, John Bock qui vient dans la de l'esprit. Le peuple n'a pas besoin d'ONG. Le peuple a besoin de bonnes conditions de vie. Le peuple a besoin de bon hôpital, l'État pour le service. Le peuple a besoin de ONG. Le peuple a besoin de l'État qui pourra le service. Le peuple a besoin de pièces ONG, John Bock, qui a pris une proposition à l'étranger, qui fait macacander dans le pays. Le peuple a besoin de l'État pour remplir les responsabilités. C'est l'État qui fait le travail. L'État. C'est ça qui fait nous dire l'État en dedans pays. C'est où l'État ça pour le provide service en dedans pays. Pour garantir. On sait des services minimum avec la population. C'est ça l'État là pour faire. Si ça va dire, on ne peut pas raison pour nous l'État. Mais pour l'État, faire ça, il faut le taxer, on sait des volets. Il faut le taxer classe économique. Il faut le taxer classe économique. Faut, c'est là pour l'État, jeune l'argent. Dans la même classe économique. La classe des affaires là. Mais mafia, ça, on ne peut pas l'État au bout. Il plus à soucier l'État, tant de supporter l'État. Il plus à prendre l'État, prendre un contrat dans l'État, un contrat juteux. Ou contre la belle, et puis à moule, match, à madame, yo rouge, petit yo rouge, tout bagay rouge, et puis à bien fonctionner, y a monté avion, j'ai roulé, yo descend avion, j'ai roulé, y a roulé, et puis tine noir, tout gana prêté avec yo pour travail, pour yo, pour esclave, pour laver chaudière, pour yo, pour laver machine, pour yo, c'est ça, yo fait tinois dans esclavage. Quand y a nous pensé, nous foutre indépendant, nous foutre tout dans esclavage, nous avons dit nous indépendant, indépendant, nous foutre tout, nous tout dans esclavage, nous, là nous parlons, nous compte que nous dans esclavage, là ça n'a connu que, qui changement pour nous fonder dans le pays. Et je salue
Zami pa m'ap salye, m'ap salye ou ni, m'ap salye tout nèg yo. Eh bien, mes chers amis, m'résumé pour nous, c'est trois éléments que nous avons touché aujourd'hui. Hein? Qui c'est la matière, le sang et l'esprit. J'espère que nous te bénéficions de lui. Nous devons inscrire dans la dynamique, ça pour nous avoir une appréhension et compréhension du système. Non? Vous comprenez? Et puis pour nous arriver dans une dimension, côté que l'on a parlé de chambre du système, il faut savoir identifier les maîtres du système, il faut identifier l'ennemi du système, il faut identifier les gens qui contrôlent le système, il faut identifier les bases, infrastructure système, non? C'est base pour commencer main, parce que si vous avez besoin de changer, il faut avoir une justice économique pour faire, il faut richesse dans un pays, mais c'est pareil, il ne faut pas détruire grand étranger en train de dans un pays, si vous pour rouge, et puis c'est vous qui avez une richesse pays, il faut avoir un bagage qui vous dit dans le dossier, il faut avoir une grosse bataille qui vous fait pour bagage ça changer, pour dynamique changer, pour bagage changer. Je vais soulever question de matière, je vais soulever problématique sang, je vais soulever problématique d'esprit, et eh bien mes amis, problème nous en pile, c'est vrai, parce que il faut toucher l'élément essentiel pour arriver à sortir de la situation. Je salue Grégory, mes amis, si nous voulons chercher là, que bon Dieu bénisse, nous passez bonne fête de journée. Bon dimanche à tout le monde. À très bientôt.